Et je vais lancer le live TikTok, comme ça on sera bien. Je voulais qu'on termine, vous savez, la zone tout en haut à gauche. Donc là, la plage ici, dans les cases A, à B, C, là. On va faire cette plage là, donc on va ramener un peu notre bazar finalement. Merci Manon pour ton follow. Ah ouais, non mais moi j'adorais faire les fournitures scolaires. T'es là en mode, tu choisissais toute ta DA de couleurs pour les cours et tout, moi j'adorais. Salut SNH Like, comment ça va? Bonjour à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien en tout cas. Attendez, faut que je vérifie si on monte. Est-ce que vous pouvez me dire si on m'entend sur TikTok? Normalement oui, mais bah non, parce que le casque il a cassé là. Pourquoi ça veut pas? Ça me fait chier. On va faire ça. Normalement, on est bon, mais on verra bien. Il est lancé mon live TikTok ou pas? Vous le voyez ou pas? Ah oui, c'est bon. Quoique, je me pose des questions. Oh non mais... De quoi ça bouge? C'était quoi le... tu me disais? Ah les fournitures scolaires, oui oui oui. Un de fou. Oui t'es là, ok chez les mouches, merci. C'est toi qui as mis l'emoji étoile? Ah oui. Parce que j'ai pas les mêmes emojis maintenant. C'est en fait. Oui, t'es en live et on t'entend tout bien. Parfait, je vous remercie pour votre aide. On va essayer de s'occuper de ces zones-là. Tout ça, mais celle-ci aussi. J'aimerais bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Et du coup, je voulais qu'on remonte là-bas. Donc alors, attendez, il va me falloir... Mais évidemment, j'ai foutu tout mon bordel et je les ai remis devant chez moi. C'est long pour aller jusqu'à chez moi. Je sais pas, en tant qu'enfant, c'est vrai, génie? Moi j'aimais trop parce que c'était pas moi qui payais, donc je m'en foutais. J'étais trop contente en mode ah ouais, le cahier rose, ah ouais, si, ça, ça. J'adorais, j'adorais. Salut Louéline, comment ça va? C'était racheter les pantalons de travail, vive l'agriculture. Ah oui, j'avoue, j'avoue. C'est vrai que ça fait partie, ça. Ça en fait partie, ça en fait partie. Vas-y, Swalex, dis-moi. Dis-moi tout. J'espère que je pourrai te répondre et que je saurai te répondre. Marina, pas si tu t'écartes, mais poussez-vous en fait. C'est exactement ça. Poussez-vous, poussez-vous. Alors, c'est où qu'on passe? C'est là. C'est insupportable à passer par contre. On va placer ça. Ça passe ou pas? Oui, slay. Vers fin août, j'irai faire les news de Zinzin dans un zoli. Les news de Zinzin. J'irai les faire avec une news. Avec une. Ah oui, avec une news. Putain, mais je suis con ou quoi? Je sais pas lire Alia ou quoi? Putain, je suis. Je suis cassée. Mon sub il y a pas longtemps, mais TRQL. Mais oui, Logmat, merci beaucoup pour le 13 mois. Ouais, ça va bien, et merci Simon pour le follow, bienvenue. MDR, t'inquiète, je sais pas lire, mais je t'inquiète. Mais d'ailleurs, vous savez que, mine de rien, les trucs scolaires les plus stylés, je trouve, ils sont vendus chez Emma pour pas si cher que ça. Moi j'ai toujours fait mes trucs scolaires en supermarché, tu vois, parce que c'était plus facile et tout. Et quand je les faisais, moi je les faisais à Leclerc et ma maman elle avait, genre, vous savez, le pourcentage d'euros Leclerc en gros remis sur sa carte de fidélité quand elle prenait les articles qui avaient la marque de la pastille en mode 30% sur votre carte de fidélité, tu vois. Du coup, en fait, on avait une seule consigne avec mon frère quand on faisait nos fournitures, c'est tu peux prendre ce que tu veux tant que c'est pas le truc le plus cher et que c'est pas le plus nul parce que tout le monde rachetait encore des stylos qui marchent pas, etc. Chiant. Mais faut qu'il y ait la pastille qui dise que t'as le truc de réduction, enfin de point de fidélité en gros. Vous savez, vous choisissez les couleurs que vous voulez, etc. Mais vous prenez les trucs avec les pastilles. T'es là, ok. C'est trop bien en vrai, c'était trop bien. C'est la bonne époque. Putain, mais j'ai plus rien dans mes poches et tout. Je suis trop préparée à ce qui va se passer là en fait. C'est pas du tout. Alors, on va prendre les objets en carton. J'ai plus de carton. Trop marrant. J'ai plus rien. Est-ce que j'ai encore de quoi faire ou est-ce qu'il faut qu'on commande en fait? J'en ai deux là qu'on pourrait modifier en truc en carton. Ça, ça pourrait être en carton aussi. Ça, ça pourrait passer.
Faut qu'on recommande des trucs, là j'ai rien. Hein. Je veux trop faire ma vie et tout, mais j'ai que dalle. Comment tu veux que je fasse? Moi je veux bien faire, hein, mais si j'ai deux meubles, je sais pas comment je vais me démerder là. Après, la zone n'est pas très grande, mais je pense qu'on va quand même avoir besoin de recommander des trucs, quoi, parce que là, ah, j'ai des tentes aussi. Bon, franchement, j'ai pas grand chose, hein. On a ça à la rigueur. Ah, mais j'ai une idée. J'ai une idée, on va pouvoir placer les... Attendez. Déjà, j'ai besoin de deux trucs, de faire deux trucs. Salut Tanjiro, ça va et toi? Salut Mia, j'espère que vous allez bien sur TikTok. Je vais remballer... ça, ça, ça. Ok, on va ranger ça et je vais reprendre mon tuyau parce que... Oula, parce que là, on en a un là, mais il va falloir remettre un à l'autre bout. Est-ce que tu cherchais des trucs en carton, enfin qui font carton chez Emma? Mais t'inquiète, on va faire autrement. Enfin, j'ai ma petite idée derrière la tête. Parce qu'en fait, la zone est très petite, mine de rien. Et il faut que ça soit quand même une plage. Donc on va essayer de mettre des trucs de plage mélangés à des motifs de carton. On va pas s'embêter, en fait, à vouloir absolument des meubles. On va mettre les motifs, ça ira largement bien, je pense. Hop. Parce que tu vois, en gros, on a tout ça. J'ai les arbres et tout en carton, en plus, je pourrais les utiliser. Et même en recrafter. Donc ce ne serait pas problématique. Salut Payette, comment ça va? Et bonjour à ceux qui arrivent sur TikTok. J'espère que vous allez bien. On va aller devant ma maison. On va descendre par là, sinon on va jamais y arriver à la maison, là. Hop. Elle slay, Kali, t'as vu? Ça slay, ça slay. Et eux. Shaima. Merci Thibaut pour le follow. Comment je les récupère? Bah tu fais prendre un objet. Tu recliques sur l'entrepôt et tu fais prendre un objet. T'as posé et t'as prendre. Enfin t'as rangé et prendre. Allez, on est ready. Je pense qu'en vrai de vrai, on pourrait faire... Faudrait qu'on fasse un petit passage en fait quand même. J'ai quoi au sol là? On va mettre deux motifs en carton. On a quoi? On avait ça et ça. Hop. Comme ça, au moins, on peut passer là. Voilà. Quitte à mettre le ballon ici. On va le placer. Ok, ok. Alors, comment je peux faire? Est-ce que je peux placer ça là ou pas? On va regarder. On va remettre des tentes, en fait. Je pense. Possible de transférer les données et que je perde pas ma partie. Voilà, mon donnée d'édition du magasin. Normalement, tu peux transférer ton île, oui. Si t'as le même compte Nintendo. En fait, si tu achètes sur le eShop, dites-moi si je me trompe, hein, mais si t'achètes sur le eShop un jeu sur ton compte Nintendo, si tu te connectes sur une autre Switch, enfin, si tu lis ton compte Switch à. Enfin, ton compte Nintendo a une autre Switch, t'es censé pouvoir récupérer et retélécharger les trucs que tu as achetés. Donc, normalement, t'es censé pouvoir récupérer et transférer ta partie avec l'application de transfert. Bonjour à ceux qui arrivent sur TikTok, j'espère que vous allez bien. Salut Naya. Salut Racer, ça va et toi? Pour l'exclamation couleur, Nico? Et salut Louam, comment tu vas? Salut Hydro, merci pour le follow. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si jamais vous êtes sur TikTok, vous verrez peut-être un peu mieux. Parce que là, bon, TikTok c'est pas ce qu'il y a de mieux pour regarder le live en vrai. Mais n'hésitez pas à venir sur Twitch à partir de 13 ans et c'est gratuit, donc profitez-en.
On va faire ça. Et je pense qu'on va pouvoir placer une tente. On a la tente pour enfants. Quoique pas ici, parce que là, en fait, ça fait bizarre. Comment on va se démerder? Je vais prendre le remodule. Et let's go, Cléa, les séries de visionnage. Comment ça va? Salut, Maë. Je l'ai acheté sur Vinted, Maë. Et je crois que la marque... C'était quoi la marque, je vous avais dit déjà? Modèle? Non. Un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'était ça? Motel? Non, c'est Motel. Motel, je crois, la marque. Vinted sur... Et la marque, c'est Motel. C'est ça, c'est ça. Je sais pas ce que c'est comme marque. En vrai, Motel, ça me dit rien du tout. Je connais pas. En vrai. Bah, allez là. Hop. Je vais mettre l'autre. Bah, c'était pas loin, schéma. C'était pas loin. C'était pas loin. Y'a pas de soucis. Je peux en mettre là? Ah ouais. Slay. On peut faire ça. Et là, normalement, on a deux autres à pouvoir placer. Donc, on va un petit peu... On va un peu... varier. Je pourrais même remettre ça là. Est-ce que là je peux poser une tente? Normalement oui. Je peux pas la reculer je pense. Ah si je peux. Je peux? Bah alors attendez, on va mettre on va remettre des motifs ici alors. Si on peut la reculer. Je pensais pas que je pouvais. Je pense que je peux pas mettre jusqu'à là hein. Bah non. Ce sera comme ça et ce sera déjà pas mal. Ouais, ils sont bien les cartons, franchement. Je trouve qu'ils passent vachement bien. Ça fait assez réaliste sans trop l'être. Je trouve que c'est cool. Petit château de ça. Salut Justine, comment ça va? Ma carte, elle est affichée en bas, si jamais. Elle est toujours affichée en bas, ma carte, en général. Tente pour enfin. Ah mais je pourrais pas la... Alors... On va mettre des motifs. On va faire ça. Et on va peut-être pas remettre celle-ci. On va remettre une classique je pense. T'inquiète, y'a pas de soucis. Château de Sable. Alors elle est où ma tante? Elle est là. Et pourquoi j'ai un haut-parleur? Ah mais parce que c'était sur la boîte en... Merde, du coup j'ai fait nimp. J'ai enlevé la caisse en bois et dessus il y avait le haut-parleur. Alors, on va prendre des trucs. On va essayer de faire quand même une plage. Rester dans le style des petites tentes avec le carton, mais en mode plage. On va essayer, je suis pas sûre, mais. On va essayer. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Y a rien super... De quoi, Marina? Y a pas rien sur Pinterest, non? Ça c'est pas vrai. Pour une île urbaine? Tu fais mal tes recherches, je pense. L'urbain, tu tombes sur un truc... Tu cliques dessus, t'as tout en dessous. C'est que de l'urbain, etc. Pas dans mon mood.
Bah, cherche ton mode, il y a forcément quelqu'un qui a fait un de tes modes. Enfin, un truc qui correspond à ce que t'as fait. C'est pas tous les mêmes thèmes qui sont sur Pinterest, hein. Ah, bah peut-être en vrai, Achille, hein. Non, les cocotiers en carton, ça n'existe pas. C'est vrai que c'est dommage, ça aurait pu être stylé en vrai. J'avoue, ça aurait été stylé en vrai d'avoir des cocotiers en carton. Par contre, j'ai ça. Bah, du coup, j'ai des lampes palmiers. Est-ce que je mets des palmiers sur la plage ou pas? Venez, on en fait pousser quand même quelques-uns, non? Si j'en mets pas, ça va faire bizarre. Si je mets rien, on va en faire pousser quand même. Mais je voulais récupérer les. Ah, ça. Voilà. Ça aurait été pratique, ouais, en vrai. C'est un peu triste qu'il n'y ait pas, mais c'est pas très grave. Je voulais les trucs de plage. C'est au-dessus, non? Quoique, c'est peut-être là. Genre, par exemple, les flamants roses. Ça fait assez plage, en vrai. Je voulais ça aussi. On pourrait avoir ça. Ça aussi. Ça aussi. Hop. Je pense qu'on peut faire un truc avec ce que j'ai pris là. Désolée, je suis concentrée dans ce que je fais quand je fais de la déco. Je suis un petit peu éteinte. L'été. Peut-être plus ça. Les bougies sur le bord de mer, je suis pas sûre. Des lampes coquillages, pourquoi pas par contre. Ça pourrait être slay en vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus? Après le reste en vrai, il faudrait qu'on regarde après. Petite glacière. On peut quand même pas mettre un canard encore. On pourrait hein, mais... Ah voilà. Ça, on peut. Ça aussi. Ok, on peut faire un truc avec ça, je pense. Avec tout ce que j'ai pris. Bonjour, c'est Karim, j'espère que vous allez bien. Elle s'en fiche de nous. Arrête, Achille. T'es trop méchant. Mais un trilobite. Non, je pense que c'est pas nécessaire. Le mec, il va forcer avec son putain de trilobite jusqu'à ce que je le mette, tu sais. Vous allez avoir le fameux jour spécial du Trilobite. Bah, apparemment, c'est la Saint Trilobite aujourd'hui. D'après. C'est qui ce matin qui a dit ça là? Bah. Ah, c'est ça. C'est qui a balancé la Sainte Trilobite ce matin là? C'était très drôle. C'était pas Roulia? Il commençait à MDR. Mais je sais pas, ils ont inventé un truc encore là. Mais c'est très drôle. Du coup, on a beaucoup ri. Je suis juste un trilobite. En effet. Joyeuse fête à vous tous. Ah, mais c'était ça que je voulais des palmiers. C'est qui a dit ça? C'est drôle ça. Mais c'est qui a dit? De quoi, Joyce? J'ai pas compris. Salut Mariam et salut Lola, j'espère que vous allez bien. Salut Patate aux crevettes, comment tu vas? Moi ça va plutôt bien, merci. Ouais, c'est ce que je vais faire, Popo. Je vais mettre un toboggan, justement. T'es con, Achille. Je voulais prendre des noix de coco, mais est-ce que j'en ai? Telle est la question que je me pose. Plus beaucoup, hein. Alors, ce qu'on peut faire. Ça poussera pas là, ça. Ici, oui, par contre.
Là aussi. Ça pousse au bord. Genre là. Ça va pas pousser ici. Hein. Là, ça va pousser, Shaima. Ça va pousser parce que au bord, tu peux mettre des palmiers, mais tu peux pas mettre des arbres de l'autre côté. Je retiens comme ça. Donc, tu sais que par exemple, ici, ça va pousser. À vérifier, mais je crois que non. Moi, je pense que non, en vrai. T'avais déjà testé sur Mirabelle. Mais j'avais testé ici, pas au bord, l'autre côté, si. Attendez. En fait, j'ai la flamme de planter et attendre de voir. Donc, on va aller sur Pinterest et on va regarder les palmiers, comment les gens ils les placent sur les plages. Si je vois qu'il y a un palmier qui est très proche de la plage, c'est que ça pousse. Voilà. On va faire comme ça. ACNH. On va mettre beach. C'est pas énormément de déco, hein, purée. Donc, bien au bord, là, comme ça, comme j'ai mis moi, ça pousse. Beach, pas beach. C'est pas le même mot, hein. Monde de fous furieux. Mais y'a pas de plage, hein. C'est des gros menteurs, hein. Ils sont là en mode, ouais, ça c'est une déco de plage, c'est au plein milieu de l'île. Bande de mythos. Oh, je sais pas comment j'ai démerdé. Ah, quoi que si, ça passe en fait, je pense. Là, la meuf, elle a planté un truc. Mais c'est pas comme ça, c'est au bord de plage, mais collé. Vachement collé, donc si ça pousse en fait. Donc là, je pense que ça pousserait. Mais en vrai, avec ça, je me dis ça fait déjà beaucoup avec les deux qu'on a là. Un ami à côté du camping. Je sais plus ce que j'ai mis. Vous me perdez. Vous me perdez. Je vais enlever ça. C'est quoi ça? Ah oui. J'ai eu du mal à capter ce que c'était. Bon, on a les bouées. J'aimerais bien en fait. La piscine, elle est où? Voilà. Une petite piscine de jardin. Je voulais mettre les photobogans genre sur un bord. Il est où? Il est en bas, hein. Évidemment non, il est là. Rien ne va. Oh non. Putain. Il est à l'envers et en plus il va falloir que je le retrouve. Voilà. Allez. Bon goûter, Gabi. Là, en vrai, j'aurais bien aimé mettre ça. Comme ça. Là, il faut un truc encore. Je veux la jaune. Là, on va mettre le siège de maître nageur. Il est où? C'était ça. Non, bouée gonflable. Là. On l'a déjà fait le goûter. C'était au début du live. Alors ça, je pense qu'on peut le pousser un peu. Et là, on va mettre une bouée gonflable.
comme ça. Ça, c'est les trucs qu'on veut pas. Boisson bouteille, elle est bleue, donc on va peut-être mettre ça à la place. Ici. On va placer un ballon. Et là, on a de quoi faire aussi. Est-ce qu'on n'a pas un motif qui pourrait faire... Ah, mais si, attendez. Je réfléchis, là, mais... On pourrait mettre le motif d'herbe, là, ça. Un dessin. Un peu comme s'il y avait des algues qui étaient venues. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de pas mal en vrai. J'avais vu un truc... Ballon de plage. Bois de l'eau, gouttelette. Merci. Oui, un peu en vrai, Joyce, un petit tapis d'éveil. Après, c'est des gosses, hein, donc... Genelix, n'hésite pas à regarder mes vidéos YouTube, j'explique comment avoir plein de meubles, etc. Et merci beaucoup Jade d'ailleurs pour les cadeaux sur TikTok, j'avais pas vu. C'est gentil, merci beaucoup. Merci CM pour ton follow, merci Logan aussi. Un peu Schistostega vibe, ouais, un petit peu. Je pense qu'il nous faudrait des algues, des trucs comme ça ici. Re-génie. C'est trop dur, je trouve, comme endroit, les cailloux, là, à décorer. Je sais pas si vous arrivez, vous, à bien décorer ces zones-là, mais oh là là, quel enfer, je trouve. Je trouve ça dur, en vrai. Parce que tu peux rien mettre en végétation. Je voulais mettre du wakame, ouais. Pour qu'on aille plonger. En espérant en avoir. Parce que je sais pas si j'en ai encore. Un phare, mais là ça ira pas le phare si j'en mets un là. Salut Tiffen, ça va et toi? Il y a un truc là, faut que je le mette, c'est le jeu de pneus, faut que je le mette dans le sable. Non, c'est pas ça. C'est ça. Clocuro, les 85. Ça slay. GG, hein. Autant de temps de strike, ça fait beaucoup, hein. Est-ce que je peux mettre une caisse dessus sur la caisse? Oui, je peux faire ça. Mais c'est un peu moche, là. C'est quoi qu'on a mis? C'est ça qu'on a mis? Ouais, c'est ça. On peut mettre du wakame. Non, là, ça fait un peu too much qu'il y ait deux ballons de plage.
Par contre, on peut le mettre là. Oh, elle est mime, celle. Et là, je voulais mettre la glacière pour mettre un peu de bleu. Ah oui, ça, Téphane. Si jamais j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, n'hésite pas à les regarder. Sur ma chaîne YouTube. Madame Flamingo, j'ai un skateboard que je peux glisser. Ouais, il fait carnaval un peu, j'avoue. C'est vrai. Pas faux, pas faux. Je pense que ce sera vraiment mieux quand ça aura bien poussé les arbres. Mais je me tâte en fait à faire ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais là, ça se voit, c'est un emplacement pour piscine, tu vois. Salut Marine, comment ça va? Oh ouais, carrément. C'est trop mignon. C'est vraiment mims. Comment je passe? Je suis perdue. Comme ça. Pourquoi Achille? Pourquoi tu dis ça? Ça passe là ici? Shema fait tout le travail, mais non. C'est parce qu'elle slaye trop, c'est pour ça. Je pense que ici, on peut... Merde. On peut un petit peu améliorer ça. Hein. J'ai rien fait, mais oui. Achille, t'es trop méchant. Elle est toute gentille chez Imo. Après, il a pas dit le contraire. La meuf qui, tu sais, va déformer tout. Mais elle a dit qu'elle était trop méchante et tout. Elle slaye, quoi. Après, Shaima, c'est ta faute, tu slayes trop. Et tout le monde t'envie. C'est normal, après tout, vous me direz. Tu slayes trop. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est comme ça. C'est mimi avec les petites herbes, comme ça, je trouve. Faut qu'on aille plonger pour avoir du wakame, par contre. Je pense que ça va être vraiment nécessaire. Ah, je pense qu'on peut mettre la bouteille ici. Ah, c'est du orange en fait. C'est pas mal, hein. Juste ça, là. Même si on a l'autre côté, c'est pas grave, on va en remettre un ici. Plus coloré. Herbe en carton. Notel qui est littéralement malveillante dans son pseudo. Arrête la pauvre. C'est vrai qu'elle a ça dans son pseudo. Mais Shaima aussi, voilà quoi, t'as capté. La peau. Shaima? Pourquoi Shaima, Logmat? Pourquoi Shaima? En mode shame. Mais c'est la honte. Pourquoi la honte? T'as grave raison, Shaima. Shaima. Bois de l'eau, gouttelette. Oh putain, j'ai Shaima Mars. Et sans balette de place pour les JO. C'est quoi ça? Un peu long. Je suis une honte peut-être. Mais non, t'es absolument pas une honte, ma petite louloute. Faut qu'on aille plonger, cela dit. Est-ce qu'on va vraiment... On va vraiment faire ça, là? On va vraiment plonger? Pour mettre du wakame, quoi. Après, j'ai envie de vous dire... On n'a rien sans rien.
Et le détail, ça fait tout. Un lien, je te jure, c'est grave un lien le truc. C'est tellement long. S'emballer en mars. Ah putain, oui, l'expression, la fameuse. Ok, j'ai capté, j'ai capté. J'avais pas capté au début, mais j'ai capté, ça y est. C'est quoi le truc qui dit boire de l'eau? Bah, c'est quand sur toi, ils me font boire de l'eau. Il y a des récompenses. Plus tu es sur le live, plus tu gagnes des points de chaîne. Et plus t'as de points de chaîne, plus tu peux les dépenser. Et là, la personne, elle a dépensé pour que je boive de l'eau. J'ai bu? Je sais plus si j'ai bu. Je vais reboire. Bon. Voilà, je pense que je vais galérer, hein. Où trouver l'endroit pour plonger maintenant? Ce sera ici. Imaginez, j'en ai pas. Genre, j'en ai pas. Il m'en faudrait. En vrai, il m'en faudrait combien? Genre. 3-4. Ça s'en est, non? Super, c'est un péton. On va encore se prendre le Pascal. New Gen. T'es chaud. Salut Céleste, comment tu vas? Il est trop en train de me donner des conseils, man. Il est adorable. Pascal, vraiment, est trop mignon, par contre. Il est trop mignon. Mon combat, bah écoute, franchement, de fou. Il dit nous de l'eau tous les combien de temps? Bah, ça dépend quand ils veulent me donner la récompense. J'ai pas compris la question, peut-être, je pense. Parce que je... J'ai pas compris comment tu l'as écrit, mais je pense que j'ai le fond de la question. C'est pas un wakame, ça. Le wakame, il m'espionne. Il me suit. Il me dit, pêche-moi, j'en peux plus. Comment ça? Mais vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, Ophélie, c'est normal, il doit prendre la... le micro. Il faut que je le décale comme ça, je pense. Des fois, il take le micro en focus ou il trouve plus mon visage parce que je regarde trop l'écran de jeu. Oula, j'ai... Merci Tiffany et merci Alumine. Ah waouh. Alumi pour ton follow. Merci. Et merci Tiffany sur... Enfin salut Tiffany sur TikTok. J'ai cru mes yeux buggés. Ouais, mais vous savez que mes yeux en ce moment ils font vraiment ça. Je suis beaucoup trop sur mon ordi, je pense. Salut Bérénice, comment ça va? Moi ça va bien, merci. Je te cancelle. J'aime pas, j'ai dit que je l'adorais Pascal en fait, donc tu peux parler mieux s'il te plaît, merci. Je pense que c'est un des personnages qui est le plus mignon du jeu. Oh la vieille moule là, c'est à qui la moule que j'ai récupérée encore là? Gardez vos moules SVP, donnez-moi du wakame. Oui Soso, c'est parce qu'il y a un timer pour pas que je l'ai toutes les 2 secondes et demie quoi. C'est du wakame ça non? Putain, lemon de merde. Une anémone de merde, j'ai dit. Une anémone de merde. Le mot merde est sorti tout seul, et bah c'est super. Une anémone de merde. Putain. J'ai ripé, vous m'en voudrez pas. Ça, ça aurait été bien posé par terre aussi. Oh my god, l'augmate, bien sûr qu'on a la ref. C'est le bar commun de la plongée. Ouais, de fou. En vrai, franchement, grave. Le wakame, là, c'est vraiment le bar commun de la plongée. Je l'ai pas. Non, en vrai, l'anémone de mer. Ok, l'anémone de merde. C'est ça, le truc le plus commun, je dirais. T'es en quel mois? En mois d'août. Me dis pas qu'il y en a pas. Je peux pas regarder. Pour moi, c'est un truc qu'il y a toute l'année. Bah je pouvais chercher longtemps je pense. Bon bah écoutez, doux Jésus, comme dirait Lolo. What time travel? En même temps, est-ce que vraiment on a le choice? Je ne pense pas. Donc je vais me permettre de têter d'un mot en arrière. Salut Evalia, comment ça va? Heureusement que tu m'en parles Irène. Je n'aurais pas su sinon. Que faire une pétition? Mais je sais pas pourquoi il y en a pas en fait. Raquette nous, mais non, vous inquiétez pas. Salut Roman, comment ça va? C'est quand que j'aurai la mairie? Bah, je sais pas.
C'est à toi de voir en fonction de comment t'avances dans ta partie. Regarde ma vidéo du guide des débutants si jamais. Salut Ambre, comment ça va? Pas de... Alia, elle prend toutes les preuves possibles. À croire que tu montes un dossier contre moi, hein, je dirais. T'es en quel mois? En mois d'août? Me dis pas qu'il y en a pas. Je peux pas regarder. La révélation est terrible. Pour moi, c'est un truc qu'il y a toute l'année. La honte. Y a pas... Bref. C'est vraiment trop la honte. Elle monte un dos pour tes 25 ans, je te jure qu'il a. C'est mon but. Elle va m'envoyer devant la cour de justice, là. Ah non, non, Chacha. Enfin, Chacha. Je débute pas du tout. Genre, vraiment, vraiment pas. Je suis bien expérimentée sur le jeu. Un peu trop, même. Ça a été clip, déjà. Ah... Shaima, je suis désolée, mais... En fait, Alia, elle t'a devancée parce qu'elle a été plus rapide. Voilà. Voilà, voilà. Tellement expérimentée que je savais même pas que le Wakame, il n'avait pas toute l'année. Ok, en vrai, vous pouvez considérer que je connais tout du jeu, mais bon, on va pas abuser sur les dates et l'apparition de chacun des trucs et des heures, quoi. Un jour, je saurai. Un jour, j'apprendrai et on fera un questionnaire. On fera des quiz. On fera des quiz. Achille, il a trop le... l'envie de me voir plonger. Ouais, exactement, Zab. Eloine, regarde mon tutoriel sur YouTube. Tu tapes 3 étoiles à CNH Cohen, tu vas trouver. Il y a 3 vidéos qui peuvent t'aider sur ma chaîne YouTube, en vrai. Enfin, même un peu plus que 3. Genre 4, 5, 6 peut-être. Mais il y en a une spéciale sur les 3 étoiles. Plus que 5 mois avant 2025. Elle est passée super vite l'année, je trouve. Tu es à quelle moitié? Comment ça, je suis à quelle moitié? Salut Charco, comment ça va? Et merci Elwan pour le follow. Ah, quel mois? Je suis au mois d'août. Enfin là, je suis au mois de juillet parce que j'avais pas... Parce qu'il y avait pas de Wakame, on cherche du Wakame. Bois de l'eau, gouttelette. Merci Tessie. Non Marina, j'ai arrêté de faire de visites. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. Et du coup, j'allais dire, on va même pouvoir voir les palmiers qui ont poussé, mais non. C'est de fou, je la vois pas passer. Non, mais vraiment. Ça, ça en est une, non? C'est l'anémone. Putain. On chie, celle-ci. Oui, oui, Daphnis. Bah, je les ai depuis 2020. Hein. Ça fait 4 ans que j'ai toutes les créatures. Là, dites-vous, vous êtes sur ma Switch du 100%. J'ai tout le jeu à 100%, là. Tout, 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 tout. Donc là, ce que je fais, c'est complètement inutile. Tu vois, enfin, ça me sert à rien, mais à part de trouver les trucs pour la déco, quoi. Les anémones de merde. Les fameuses. Ça, je l'ai envoyé, wesh. Envoie-le au boss, je te dis ce qui passe pas. Je vais regarder chez moi. T'es chiant, Achille. Il m'envoie des new gen. Ça veut tout et rien dire en plus. Non, mais tous mes messages. Bah. Ah non, en mode pas en mode conflit, mais juste il s'est pas envoyé. Bah alors. Pour la déco, Dino. Pour la déco, je cherche du Wakame. Putain. Je sais pas, ça m'aime pas le truc permet de... Ça, je scène. Bah alors, on scène de pas ces messages? Pourtant, on les voit tes messages là. Non, non, du tout, Elwan. Enfin, t'as le truc des filets en or, canne à pêche en or, etc. Tu vois, mais c'est tout. Y a pas de choses particulières qui se passent, quoi. Mais t'as mis quelle couleur, Nico? T'as mis la même? Ah non, t'as mis du violet? Bah t'as la couleur de Shiba. Putain, viens là, toi. Bellice colossal. Bon, je vais y aller à la bonne franquette.
Ah vas-y, passe sous mes yep. Oh, il est chiant, il avance. Voilà, on a plus la même couleur. Il est trop chiant. En fait, il veut te copier Shaima, mais en même temps normal. Et je pense qu'il est trop fan de toi. Bon, ça y est, toi, arrête d'avancer là, mon beau. Voilà, merci. C'est ouf, le machin, il avance toutes les deux secondes. Putain, je l'ai loupé. J'étais pas assez avancé. Bon, on s'en fout, de toute façon, on sait que c'est pas ça qu'on veut. On veut du Wakame. Il a même pas fui. Hier, il était fan de Rudia, mais en même temps, normal. Voilà. Ça, c'est clairement pas du Wakame, hein. C'est sûr et certain. Je l'ai pas, là. Je l'aurai pas. Faut le coincer dans un coin, celui-là. C'est peut-être du Wakame, ça. Je vais l'emmener jusqu'à l'autre bout. Putain, mais donnez-nous du Wakame, là, en fait. Ça y est. Pensez qu'on va y arriver. Je le veux quand même, hein. T'as intérêt à l'avoir. Imagine, il dépop. Je vais juste en mettre par terre pour mettre sur ma plage. Dis-moi que ça en est pas, ça. C'est pas possible. Mais il fait demi-tour en plus. Il me troll et tout. Merci Emma pour le follow. Oui, oui, il y en a au mois de juillet. C'est de octobre à juillet. Vas-y! Oh, le bâtard! Non, là, il abuse. Là, il abuse. Merci, Soso et Sifol pour vos follow. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Là, il a clairement abusé. Vas-y! Mettez-moi comment il s'enfuit! C'est abusé. Oh, putain. On va y arriver, hein. Mais Nico, j'ai peps. T'es Mimi en vert comme ça, Nico. Le crabe, c'est Xari, tellement il est fast. J'ai pas la rêve de Xari. Je sais qui c'est, mais j'ai pas la rêve de sa vitesse. Bah voilà, MDR, il a même pas bougé là, carrément. Tout ça pour 15 000 clochettes, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait pas pour renflouer les caisses de son personnage? Vous me verrez quelle couleur. En vrai, Nico, toi, je te verrais un beau bleu turquoise un peu pétant, tu vois. En vrai. Après, je te dis ça, mais c'est toi qui as le datonien, non? Oh my god, regardez ce qu'on a reçu. Oula. Ce qu'on a reçu, ce qu'on a récupéré. Ouh. Il en manque plus que 3. Ok, pousse. Vas-y, je te verrais bien un beau bleu turquoise. Bah, attendez, il en faut quand même... il en faut encore... On dirait une wig. De fou. Oh, une anémone de merde. Purée. Mais pourquoi il y a mon Siri qui s'active? C'est quoi son problème à celui-là? So coquette. Bah vas-y. Fais-toi plaisir. Alors là t'es bleu, mais t'es un bleu très terne. Tu veux que je t'envoie le code couleur que je te verrai? Alors, t'es bleu, mais t'es un bleu terne, là. Mais il est pas horrible, ce bleu, mais il est un peu... Ouais, il est un peu terne, quoi. Il est un peu gris, quoi. Donc, code couleur. Alors. Moi, je te reverrais bien ça. Attends, quoique... Ah ouais, ça, ça serait bien. Ça, tu serais beau comme ça. Ça. Bah, chie, toi, t'es rose.
Blue wig Leona Winter. Je suis en bleu. Ouais, t'es en bleu, May. Si jamais, il y a toujours le truc Nitro hein, pour changer sa couleur gratuit. Hein. L'essai gratuit que tu t'enlèves, tu payes rien du tout et tu peux changer la couleur et t'as pas de pub pendant une semaine. Gratuitement. Beau petit serpent. C'est pas mal, c'est un bon début. C'est un bon début, c'est un bon début. J'ai plus beaucoup de place. Hein. Bah vas-y, Achille alors, c'est ta Prime. Si vous avez Prime aussi, vous pouvez changer. Hein, si vous avez Amazon Prime. D'ailleurs, si vous avez Amazon Prime ou si, je sais pas, genre vos parents ont Amazon Prime, n'hésitez pas à connecter votre compte avec le compte Amazon. Hein. Vous avez un abonnement gratuit par mois et vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Salut, Lune et le Soleil, comment ça va? Et sinon, pour changer sa couleur, merci à vous, Camille. Okay. Test. Mais là, t'es vert. C'est pas du tout la couleur que je t'ai envoyée. C'est pas du tout la couleur que je t'ai envoyée. C'est pas du tout ça que je t'ai envoyé. Je vous montre ce que je lui ai envoyé. Hein. C'est ça. Là actuellement, Nico, t'es pas trop ça quoi. Là t'es plus comme ça si je peux me permettre. Je pense qu'il y a un souci. Je pense que là il y a un petit problème. Après c'est joli, oui c'est un beau vert, hein. Vous me direz c'est un beau vert, mais le bleu que j'avais en tête est quand même plus sexy quoi. Je me permets. Pas besoin d'abonnement pour changer de couleur sur PC si jamais. Tu peux changer ta couleur mais tu peux mettre ta couleur personnalisée, t'as les couleurs classiques de Twitch moche là. Toi t'as une couleur prime ou nitro Alia, t'as une belle couleur toi. Il match avec le trèfle, ouais j'avoue en vrai ça match avec le trèfle, c'est vrai. C'est vrai. Oh ma vida en fait. Coucou, comment ça va? Merci pour le raid. Ça a été ton live. N'hésitez pas à follow Nefert qui était sur du colo aujourd'hui. Ça va bien. On galère, on essaye de choper des wakame dans la mer. Je n'arrive pas. J'en ai un. On a fait tout le tour. T'es pas mon inventaire. On n'a pas de wakame. Mais oui, pourtant, c'est super facile à en avoir et là, on n'en a pas comme de par hasard. Du coup, on galère un peu. C'est un peu chiant. Il nous en faudrait genre 3-4 en plus. Bah, une perle. On est de plus en plus incroyable, ce qui se passe. C'est terrible qui va. Non, tu fais slash color et tu mets le hashtag. Ça marche pas, ça, Alia. Ça marche plus, les trucs-là. Moi, j'ai jamais réussi. Ah, là, t'es... Oh, là, t'es beau gosse. Franchement, en vrai, ça te va bien, ça. Sur PC. Tiens, je savais pas, ça. Tu me l'apprends, alors, Alia. Là, tu slay de fou, en vrai, avec cette couleur-là. T'es beau gosse, hein. T'es bien pétant et tout. Et y a personne qui a ces couleurs-là, en vrai. Bon, ça a été le live, ma nef. C'était bien. T'as colorié quoi, aujourd'hui? Je peux plus passer, du coup. C'était Alice. C'était le Alice que Lo elle avait fait en double page ou c'est une autre Alice? Ça, je vais inscrire. Vas-y Alia, je suis grave curieuse en vrai. J'ai fini Alice. Oh mais slay, slay, slay. Trop bien. Et t'as fini Pocahontas aussi? La vache, t'en as fait deux. C'est mon ancienne couleur. Ah bon? Mais là t'as la couleur de base de Twitch Achille là. Non, comment ça a commencé? D'accord. Oui, je me dis putain, elle a été rapide. Hein. Elle a été rapide. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous êtes bien amusé, que vous avez passé un bon stream, que vous avez bien colo, que vous êtes bien détendu. Écoutez, je vais essayer de vous détendre aussi ici en cherchant mon wakame. Je comprends pas pourquoi j'en ai pas comme ça. Ça doit en être ça, non? Ah, c'est un péton. Salut Wambi, comment ça va? Mais un deuxième? Ah, mais oui, c'est pas le même jour. Ah, Achille, so sad. Mais tu peux normalement changer sur le téléphone aussi. Ah oui, c'est vrai que t'as plutôt PC, je suis con. Bah, elles ont le même prénom en soi, mais c'est pas... Tu vois, avec la couleur, c'est pas les mêmes. Bah, de fou, Jiganari, bien dit. Dis bien, dis bien. Merci Pascal pour ce beau moment. Je me vois beige, mais avec une gastro. Bah ouais, c'est vrai. Je mets sur le dos de mon daltonisme. Bah ouais, ça c'est trop relou en vrai. C'est quoi ton daltonisme? C'est quel cône? Du coup, je pense que c'est le bleu qui est touché. Si tu veux, on peut te trouver une belle couleur que toi aussi tu vois, parce que si tu vois pas ta belle couleur, en vrai, c'est dommage. Faut que tu vois une belle couleur toi aussi, faut que tu profites aussi de ta belle couleur.
C'est quoi les couleurs que tu vois le mieux, que tu distingues le mieux? On peut regarder si pour autant trouver une belle dans les teintes que tu vois bien. Fait chier ce bleu là. Bah je sais pas. Tu sais pas c'est quoi que tu vois mieux? Parce que t'as plusieurs types de daltonisme, tu sais t'as les cônes... Mais je me vois beige vert. Ouais, donc t'es pas beige, donc tu dois clairement être... dans le cône bleu doit être touché je pense. C'est quoi les autres couleurs? C'est rouge et vert? Je crois que c'est ça. Du couleur, tu mets ton hashtag de couleur. Mais moi ça n'a jamais fonctionné ça, j'avais testé à l'époque, ça ne marchait pas moi de mon côté. Attends. Je vais essayer quand même. Ça m'intrigue, je veux savoir comment ça fonctionne. Moi ça marchait pas à l'époque quand j'avais testé. Bon après c'était il y a plus d'un an que j'ai changé ma couleur mais... On va regarder ça. Même en couleur, c'est ça le code couleur. Je vous le donne pas parce que vous allez me le voler, bande de voleurs de code couleur. Si je veux prendre le code couleur que j'ai donné à Nico. Si je fais slash color. Je peux pas le faire là. Color. Ah si, putain, de fou, ça marche. Ah, je suis pas belle en bleu. Mon code couleur. Ah, c'est bizarre. Putain, je savais pas du tout que ça marchait comme ça, Alia. Tu me l'apprends, merci. Bon, après, je m'en servirai pas trop, mais... Parce qu'en fait, ça marchait pas bien, je pense, parce qu'en fait, tu vois, quand tu fais slash color... Ils te disent, change la couleur de votre identifiant, par exemple, blue, green, etc. Donc en fait, moi je mettais le nom écrit, tu vois. Je mettais pas le code. Donc c'est pour ça en fait que ça marchait pas, je pense. Je vois zéro bleu dans mon blaze. T'aimes bien, ouais, j'allais dire, t'aimes bien quoi comme couleur? Tu mets le hashtag, ouais, faut mettre le hashtag. Ça fait bizarre de te voir en vert, mais c'est pas vert, c'est bleu. Salut Litchi, comment ça va? Merci pour le follow. Ouais, je l'ai mis, moi. Là, je l'ai mis le hashtag Alia pour changer. Peut-être que ça marche sans, je sais pas. Mais je pense que ça doit fonctionner sans, mais... Bon, alors, attendez. Je ferme ça. Ben, tant que c'est joli, ça va, je suis pas chiant. T'as pas une couleur que t'aimes bien? Un vert d'eau. Oh, je vois plus ça en mode bleu canard turquoise. Tu vois? Oh merci Shaima de prendre le temps de répondre sur TikTok, t'as un cœur. Un espèce de vert bleu pour moi aussi. Ouais d'accord, et coucou d'ailleurs. Bon attendez, on continue là d'avancer. Alors si on te change du bleu... Vous le verrez quelle couleur Nico? Un orange tu verrais toi Océane? Oh Nico je sais pas, je le verrais pas trop orange en vrai. Ou un orange un peu pâle, peut-être. Attends, je te montre, Nico. Un comme ça? Ou un truc un peu comme ça? Relookez-moi. Je vois vert. Ah, ça va être compliqué. Donc tu vois où? Ah ouais, c'est la couleur de Winnie, j'avoue. Winnie, tu la vois verte? Salut Hugo, comment ça va? Un bleu pastel? Et Nico, il voit pas le bleu. Tessie qui comprend rien sur le Discord. Si tu mets vert, peut-être que c'est orange. Non, ça marche pas comme ça. Tu vois quoi comme couleur, Nico, là? C'est dur, en vrai. C'est pas évident. Parce qu'en plus, quand t'es daltonien, genre, le ton vert, c'est pas le même vert que nous, on verrait, je pense. Tu vois, vert fluo. Ouais, c'est vert fluo.
Bah tu sais quoi Nico, fous-toi vert fluo hein. Ou un vert un peu pâle, genre un truc un peu comme ça là. Ça c'est une belle couleur en vrai, c'est un beau vert ça. Si tu vois du vert, tu te mets un petit vert comme ça. Et il faut que tu aies soit prime, soit que tu aies laissé ou que tu aies le truc nitro là. C'est doux en vrai, c'est une belle couleur en vert comme ça. Vert pastel, ça passe en vrai. Tu veux que je te donne ou pas, Nico, tu me dis? Genre un truc comme ça. Vas-y, un petit vert. Un petit vert. Ok, vas-y, je t'envoie le code alors. Merde. Je suis perdue parce que le truc, il est sur l'écran d'à côté. Et je le vois là, du coup, ça me perturbe. J'ai coupé le son. Non. Attendez, j'ai un problème. Ok, j'avais coupé le son de mon truc. Je sais, non, non. Touche pas au casque, touche pas au casque. Je me connecte à Prime, mais let's go, Alia. Et en plus, t'as Prime. Ça veut dire que t'as un sub gratuit quelque part. Quelque part. Là, t'es. En vrai, franchement, là, t'es beau gosse, hein. C'est un beau vert, franchement. T'es beau comme ça, ça te va bien. Ça fait un peu un Nico écolo, tu vois. Tu matches avec ton trèfle et tout en plus, t'es slay. Franchement, t'es slay. T'es slay, t'es slay. Mangeur de feuilles. Vibe, un peu, j'avoue. Shema, toi, je sais pas quelle couleur je te verrais en vrai, si je devais te donner une couleur. Je pense que je te verrais un peu un mauve, un peu comme le bot en vrai. Un peu un lila. Tu m'aspires un peu cette vibe. Salut Diane, comment ça va? Shema, je la vois couleur polito. C'est parfait. C'est tout à fait ce qu'elle voulait finalement. Un violet lila, ça lui va bien. Ouais, de fou, hein. Toi, Océane, je te vois grave en violet comme t'es en vrai en couleur. Je te verrai pas d'une autre teinte. Je sais pas pourquoi. C'est quoi sa robe de princesse sirène? On s'en fout. Regardez-moi cet argent que je me fais. Bah non, je vais pas vendre mon Wakame, je suis con ou quoi? Faut penser aux 20% supplémentaires. Plus à ça que j'ai pas vendu, qui vaut à peu près 1000. Pour pas très longtemps quoi. Écoutez, je vais aller poser déjà mes deux Wakame là. Je suis daltonienne, le rouge, je le vois jaune pipi. Ah ouais? Purée, du coup, ça veut dire que genre ton sang, tu le vois jaune? Il y a plusieurs types hein, de daltonisme. Hein. C'est pour ça que tout le monde voit pas les mêmes teintes, etc. Les mêmes couleurs, tout ça, tout ça. C'est pas forcément que le cône bleu, ça peut être le cône rouge, le cône... Enfin, d'autres types de couleurs, etc. qui sont touchés, hein. Je pisse le sang, il faut capter. Drôle. J'ai la blague. Je suis quand même daltonienne, je vois quand même celle de base. C'est quoi celle de base que tu vois? Oh Shema, t'es mignonne comme ça, ça te va bien. T'es belle comme ça. Ah, n'hésitez pas à miser pour le loto si jamais d'ailleurs au passage, il y a un loto qui a été lancé. Je vais moi-même miser avec le bot. Alors, je vais miser quoi? Allez, je vais miser ça. Hop là. N'hésitez pas à miser vous deux, vous aussi. J'ai plus 100 000 points. J'ai misé 8 000 là. Salut Zuba, comment ça va? J'ai 24 ans. Depuis 3 jours. 2 jours. Wouh! 3 jours. C'est quoi le loto?
Bah le loto, en fait, tu choisis un chiffre et puis après on demande à ma montre, à mon Siri de nous donner un chiffre et puis bah voilà. Oh non, c'est à vous. Bon, en vrai, il en faudrait encore un, quoi. Un petit dernier. Mine de rien, ça demandait beaucoup d'adaptation d'être daltonien avec tous les codes couleurs qu'on utilise au quotidien. Puis quand on te dit tu vois quelle couleur alors que toi non. Ouais, de fou, ça doit être un peu chiant en vrai. Après, t'as pas trop le choix donc je fais avec. Mais j'avoue que ça doit être un peu relou parce que tu dois te sentir. Et puis c'est enfin. La vue, c'est vraiment un truc qui est. Entre guillemets, évident pour tout le monde, du coup, sauf pour les personnes qui sont atteintes de daltonisme ou d'un trouble un peu de la vision comme ça. Ça doit être vraiment chiant parce que tu dois te sentir un peu différente. C'est quand on te dit bah. Genre vas-y prends ça, prends le, je sais pas par exemple prends le t-shirt rouge et que tu prends un t-shirt qui a totalement une autre couleur etc. Parce que toi tu fais pas trop la différence etc. Ça doit être vachement chiant en fait, c'est, des fois tu sais de te concentrer entre deux teintes pour voir quelle couleur est quelle couleur. Et puis on peut pas se rendre compte nous vu qu'on est pas daltonien et qu'on n'a pas de problème visuel. On se rend pas vraiment compte en fait de ce qu'ils peuvent voir tu vois. Tu veux travailler avec les filières artistiques, on te demande des couleurs précises, tu vois pas. Bah c'est ça qui est compliqué ouais, il y a très très peu de personnes daltoniennes qui sont dans les métiers de l'art en général parce que c'est compliqué au niveau des couleurs par exemple. Enfin du domaine de l'art par exemple quand tu veux bosser dans une agence, imaginons une agence de com en tant que graphiste, bah ça va être compliqué quoi. Parce que les couleurs ça va pas aller. Et moi j'avais un ami qui était daltonien, qui le savait et qui s'était lancé quand même dans cette branche là. C'était... Enfin, tout était hyper, hyper terne dans les couleurs qu'il choisissait parce que pour lui, c'était des couleurs les plus vives, entre guillemets. Mais pour nous, c'était des couleurs qui étaient dans la courbe en mode très terne, malheureusement. Et du coup, bah, ce qu'il proposait, il fallait tout le temps qu'on rehausse les couleurs, etc. etc. C'est un peu chiant, mais de mine de rien, tu vois, le travail était fait, il fallait juste changer les couleurs après, tu vois. C'est pas le plus gros du travail, les couleurs. Ouais. Ah ouais, Solène, purée, ça doit pas être facile en vrai. C'est bien qu'il y en a quand même qui se lancent et qui arrivent, etc. Et puis, il y a aussi des lunettes qui te... En fonction de ta vue à toi, je pense que tu dois faire des tests, etc. Pour savoir quelles cônes sont touchées. Mais il y a des lunettes qui te redonnent les couleurs comme elles le sont. Et j'ai vu une vidéo dans la partie Opcore de TikTok d'un jeune qui était, je sais pas, il devait être en 3e seconde. Et son prof lui avait ramené des lunettes. Il était daltonien, c'est un prof de chimie, je crois. Et il lui avait ramené des lunettes pour pouvoir voir comme tout le monde voit quoi. Et il était là en mode, c'est en mode what the fuck, vous voyez comme ça la vie et tout. Enfin c'était un truc de fou tu vois. Ça fait trop du bien de voir des vidéos comme ça. Ça te remet grave un mode putain c'est fou, ils voient les vraies couleurs tu vois. C'est comme les bébés vous savez quand les fameuses vidéos là où les bébés qui sont sourds ils leur mettent un appareil auditif pour la première fois, qu'ils entendent la voix de leur maman pour la première fois, ou alors qu'ils voient leur maman avec des lunettes parce qu'ils ont une vue terrible les pauvres. C'est trop beau comme genre de vidéo ça. Je trouve ça trop mimi. Allez, putain, donnez-moi un wakame. C'est trop mimi, je te jure. La magie de la science. Vraiment, ça fait des miracles des fois. Fais le test et puis voir. Il y a une spéciale. Ouais, il y en a plein qu'on fait contester. Mais ça devrait être, tu vois. En vrai, honnêtement, ce genre de lunettes pour le daltonisme, ça devrait grave être adapté en lunettes de vue, tu vois, à tout moment. Imagine, moi, je suis daltonienne. Bon, c'est un truc qui touche beaucoup plus les hommes que les femmes, mais imagine, genre, moi, je suis daltonienne. Là, genre, imagine, je porte mes lunettes qui me font voir les bonnes couleurs. Ce serait fou, tu vois, qu'on arrive à faire ça. Avec un verre pas forcément teinté, mais un verre blanc, comme ça. Bon, je pense que c'est un peu compliqué, mais... À force, je pense qu'on arrivera à trouver un compromis, enfin j'espère en vrai, parce que ce serait bien, tu vois, pour toutes les personnes atteintes de daltonisme, de voir la vraie vie, tu vois. Rololo. Salut Galia, comment ça va? Vas-y Alia, ça marche. Et salut Titi, comment tu vas? Sauf si tu dormais. J'hésite entre les deux, entre la promenade de la gueuse et le dodo, Zabou aussi. Je fais genre, mais... Je faisais la sieste, en effet, bon bah voilà. J'avais bon, c'était ma première option. C'est-à-dire que les appareils existent pour ça et la plupart peuvent pas mettre autant. Ouais, c'est clair, c'est vrai qu'après c'est un budget. Hein. Ce serait bien que ce soit pris en charge, tu vois, genre le daltonisme, c'est un truc que... Enfin, si t'as pas choisi, c'est comme pour beaucoup de maladies. C'est considéré comme une maladie, le daltonisme, ou pas? Vraie question, j'avoue que je sais pas trop. Après là, je vois ton perso, les cheveux roses, la mer bleu turquoise. Ouais, là, les cheveux roses, la mer est... Ouais, le bleu turquoise, enfin là, elle est un peu... Et pas vraiment turquoise qui pleut et c'est un peu plus gris, tu vois. C'est un bleu un peu terne en vrai. Par exemple, tu vois la partie en haut là où il y a le Dodo Airline, ça c'est beaucoup plus bleu turquoise, tu vois. Avec l'ombre, la lumière, etc. Le fond marin là.
C'est beaucoup plus turquoise, ouais. Mais là où je suis, moi, c'est plus un peu un bleu foncé qui tire un peu vers le vert gris, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça, Nico. On est capable de soigner certains problèmes de vue au laser, donc why not? Ouais, de fou, j'avoue, en vrai. C'est vrai, hein, y a les... j'ai une copine, moi, bah, ma meilleure amie d'enfance, qui s'est fait opérer au laser des yeux depuis qu'elle est toute petite. Et en fait, c'est des ils sont nés, c'est des triplés, donc ils sont nés prématurément, etc. Donc, dans leur développement, ça a causé des problèmes comme les troubles de la vue, etc. Enfin, ils ont pas eu de chance. Enfin, il y en a 2 sur 3 qui ont eu des gros problèmes de vue quand ils étaient tout petits, quoi. Et cette copine-là, elle a toujours eu des verres... un peu, enfin pas cul de bouteille, mais genre des verres de lunettes très très gros parce qu'elle avait une grosse correction qui lui zoomait les yeux de fou, tu vois, tellement elle avait une grosse correction. Et il y a quelques années, elle s'est fait opérer des yeux au laser et elle me dit, mais putain, mais carrément là, des fois je mets même plus mes lunettes, quoi. Et ça change tout, tu vois, quand tu passes toute ta vie, t'as passé 20 ans de ta vie à porter des lunettes tous les jours de ta vie pour voir quelque chose, sinon tu voyais rien. À du jour au lendemain, bon après t'as une petite convalescence genre d'une semaine ou je sais pas quoi, même pas en vrai, je crois que c'était rapide, elle allait bien et tout. Tu fais ta petite opération au laser, hop, c'est fini. C'est fou en vrai, hein. Un petit soulagement de fou. De fou, de fou. J'avoue que j'oserais pas, ça me fait peur de faire une opération des yeux. Ça me fait vachement peur en vrai. Je pense que j'oserais pas. Elle a pas de soucis avec les opérations, en fait elle travaille dans le corps médical en même temps, donc elle sait à quoi s'attendre. Elle bosse dans un hôpital, donc elle sait, puis elle a toutes les facilités entre guillemets pour prendre les rendez-vous, etc, etc. Je suis éligible pour... C'est cool en vrai. Tu t'aimerais le faire? Pareil, je flippe. Ça me fait trop peur, ça. Je me dis, imagine, il me loupe, je deviens aveugle. Ça me ferait trop trop peur. Tu te fais cramer l'œil? Bah ouais, c'est pour ça. Ça me fait peur. Après, bon, maintenant, franchement, les mecs, ils font ça toute la journée à foutre du laser dans les yeux des gens. Enfin voilà, ça n'arrive pas qu'ils se loupent, tu vois. C'est leur taf, quoi. C'est comme les chirurgiens. Ça arrive que les opérations se passent mal, mais dans 95, même 98% du temps, les opérations se passent plutôt bien, tu vois. C'est des machines, oui, en plus, c'est des machines maintenant. Hein. Bah Nico, arrête, tu me dégues, ça me répugne. C'est très cher et peu remboursé. Ah ouais, c'est pas remboursé, ouais. Ouais. Ça fait chier. Je crois que ça doit être remboursé que quand t'as vraiment des énormes problèmes de vue, non? Enfin, un peu plus remboursé, non? Y'a pas des trucs comme ça? Parce que je sais, par exemple, bah, cette même copine, elle a fait une réduction mammaire parce qu'elle, bon, elle avait ras le cul, quoi. Elle avait une trop grosse poitrine et ça l'a dérangée au quotidien, mal de dos, tu vois. Enfin, c'était plein de points négatifs, donc elle a décidé de se faire opérer. Et il me semble qu'elle a pu se faire rembourser parce que ça lui causait vraiment des problèmes physiques autres, tu vois, genre des problèmes de dos, etc, etc. Et elle a, je crois qu'elle a pu se faire rembourser une partie ou la totalité, enfin je sais plus, non, elle avait pris en charge une partie, mais il y avait une autre partie, une grosse partie qui était prise en charge. Et je crois qu'il y a des contraintes comme ça, entre guillemets, à... Il faut que genre t'es mal quelque part ou que ça te nuise pour que ce soit remboursé, tu vois. Que ce soit considéré comme un vrai problème qui fasse. Enfin, qu'il faille changer, tu vois. Du sapin. Sapin tant qu'à faire, hein, j'avoue. Ah bah ouais, tu l'as dit après. Certaines mutuelles prennent une partie, c'est le cas de la même. Ouais, il y en a, hein, il y en a certaines. Je suis myope, je me suis renseignée et c'est 1 500 € pour les deux yeux, en gros. Après, en vrai, ça fait cher. Mais honnêtement, moi je pense que, tu vois, si vraiment ça me faisait chier au quotidien, si ça me ruinait un peu la vie d'avoir ces problèmes de vue là, je pense que je mettrais le prix. C'est quand même après pour toute ta vie où tu te soulages, quoi. C'est un budget, mais c'est pas plus cher, tu vois, qu'un nouveau téléphone. Et puis si t'as une mutuelle qui prend une partie en charge, genre, je sais pas, genre à tout moment ça prend 500 € en charge, ça te fait moins cher, tu vois. Trop cher d'être bigleux, mais ça coûte une blinde, hein. C'est terrible, parce qu'on n'a pas choisi d'avoir des problèmes de vue, en plus. On choisit pas d'avoir des problèmes de vue. C'est terrible, hein, pour les gens qui ont des 10 sur 10 à chaque œil, là. Vous avez de la chance, franchement. Je vous envie un peu. T'as des vieux hublots de merde en guise de lunettes avec du scotch. Oui, c'est vrai. T'as un hublot, mais genre pendant un ou deux jours, non? Franchement, je préfère grave me faire opérer et retrouver la vue, entre guillemets, correcte, plutôt que d'acheter un nouveau téléphone, tu vois. Mais après, je me ferais pas opérer, tu vois, mais... je préférais, entre, si t'as le choix, un truc qui te soulage à vie ou un autre truc que tu pourras acheter plus tard, tu vois. Il est où, ce Wakame? Mais je sais pas, mais il me fait chier, ce Wakame, là. Il est relou. Il est long, hein, à popper, hein. Ouais, c'est ça, faut oser, quoi. J'oserais plus faire une opération, tu vois, je sais pas, genre... En vrai, non, ça me ferait peur aussi, mais j'allais dire, je sais pas, te fais opérer de l'estomac, tu vois. J'oserais plus que de me faire opérer des yeux.
Après tu te dis, il te loupe l'estomac, tu vois, c'est chaud parce que t'en as besoin. Ah ouais, c'est vrai Nico, c'est héréditaire, ça je savais pas, tu vois. C'était quoi que j'ai pris là? Un poulpe. Chier. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont fait un genre d'opération un peu similaire comme ça? Si c'est pas indiscret. Genre qu'on fait des opérations, par exemple de la vision comme ça, et que ça, à qui ça a vraiment changé la vie d'avoir fait ça. Moi je sais que ma maman elle s'était fait opérer des yeux à l'époque, c'était une maladie des yeux là. Elle s'était fait opérer pareil au laser et elle avait eu le fameux hublot dont tu parles là. Et je me rappelle j'étais petite, j'avais genre 7-8 ans et je voulais plus lui parler parce qu'elle me faisait trop peur vu qu'elle avait plus ses lunettes. Je l'avais toujours vu avec ses lunettes et du coup elle me faisait peur parce qu'elle avait plus ses lunettes et qu'elle avait genre... Elle avait le gros hublot là. La protection, elle me faisait trop peur. Ah et du coup Calvin, du coup ça t'a changé, ça t'a bien changé la vie quand même. J'ai fait une opération de la paupière pour des kystes à la répétition, c'était stressant mais depuis plus aucun problème. Bah tant mieux alors. Salut Aurélia, moi je me suis fait opérer de la myopie l'été dernier, 3 000 euros non remboursable. Ah ça fait mal hein, ça fait mal mais... J'espère quand même que le résultat est là et que tu te sens mieux maintenant quoi. Ça me change la vie purée après 20 ans à porter des lunettes puis lentilles, ouais tu m'étonnes. C'est tellement satisfaisant en vrai quand tu... T'es là, t'ouvres les yeux et tu vois bien, tu vois. Après je pense que tu vas avoir le temps de... d'adaptation et tout, mais ça va être cool en vrai. Ouais, moi j'ai fait les 4 dents de sagesse en opération et c'est tout ce que j'ai fait. Ça a rien changé. Ah ouais, Achille, ça lui a rien fait. Je sais que mon oncle perd la vue tout en bas de l'œil, genre il voit que le haut. Ça tourne à son entraille donc. Il va faire le laser. Ouais, après il y a des trucs comme ça qui arrivent à la vision. Si jamais d'ailleurs. Bon, je pense qu'après vous êtes pas bête sur ce point-là, mais si jamais vous avez des taches, etc., quand vous regardez sur votre vision, votre champ périphérique ou au milieu, n'hésitez pas à les consulter. Hein. Ça peut être, ça peut dégénérer assez rapidement et vous rendre quasi aveugle si vous traitez pas ça vite, quoi. Une fois t'as la vision, bon, c'est souvent quand tu deviens un peu plus vieux. En général, à notre âge, si on est, enfin, vous avez à peu près ma tranche d'âge, en vrai, je pense. En vrai, ça arrive pas trop, mais on sait jamais, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Donne-moi un chiffre entre 1 et 10. J'ai envie de dire un nombre. Un nombre. La réponse est 11. Vas-y, con. Donne-moi un nombre entre 1 et 10. La réponse est 1. Oh my god! Vous allez me détester. C'est le 1, Zabou. Rendez l'argent! Rendez! Je me suis fait 40 000! Allez! Il y aurait eu la réponse 11, mais bon. Voilà. Ah là là, je vous redonnerai ces points. Je les stocke. La réponse est 1. Salut Roxane, mon service. Heureusement, je suis tombée sur une très bonne chirurgienne. C'était dur d'accepter, ça étant petite, mais j'aime pas. Personne n'aime trop l'hôpital en même temps, j'ai envie de te dire. Je peux compatir. Si on me demande de faire l'œil droit étant adulte, je ne referai pas. J'ai trop peur, ouais, tu m'étonnes. Et du coup, t'as fait l'œil gauche quand t'étais petite, c'est ça? Le prix change selon la myopie, la technique, PKR, LASIK ou SMILE. Perso, c'était LASIK, il y avait environ moins 4-5 à chaque œil. Ok. Ouais, je pense que ça doit changer, ça doit pas être le même prix, etc. en fonction de certains critères, hein, je pense. Pas laver le cip. C'est un complot, je m'oppose, je suis désolée. Le jour où je gagne, je joue à l'auto IRM. Mon cœur reste... Est en grand écart. Oh purée. Va te noyer. Arrêtez, vous êtes horrible, wesh. Achille, ça va pas ou quoi? Tu peux même pas te noyer dans ce jeu. Bon allez, pitié, un dernier wakame là. On en a marre en fait. On en a ras le trou du fiac. C'est une expression que personne ne dit, mais voilà, elle est dite. Donc faites avec. Putain, mais donnez-moi un... Mon cœur reste... Mon cœur est constipé. Ça te va bien. Franchement, il est beau ce verre, Nico. Il te va super bien, je trouve. Et pitié, donnez-moi un truc, quoi. Et franchement, si c'en est pas un, ça, je rage quitte et je me remets en... Je me remets en... À la bonne date. Bah, allez, ça y est, ça me saoule. Je rage quitte. J'en ferai une quand j'aurai beaucoup de pointes ici.
Non, pas ça. Merci Julie pour le follow et bienvenue. On va faire... Hop les... Ah, oh, il est 18h là. Ah ouais. Bon, allez, venez, on accepte de jouer tard. Hein. On accepte. J'accepte mon sort pour une fois. Tu peux pas te noyer, mais rappelle-toi les wifi buggés. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Lolo. Il y a des wifi où on faisait de la pêche, enfin de la plongée. Parce que moi, je cherchais un truc. On avait fait des mini-jeux sur mon île avec les petits potes du chat. Et on avait créé des bugs de duplication. Et on avait créé des bugs où en fait, on restait bloqué sous l'eau pendant peut-être genre plus d'une minute, tu vois. On était clairement en train de se noyer. Et il y a un best-of où c'est ça, quoi. Shema, t'as triqueté. Le temps passe vite. Tu t'en vas, Shema? For real? Pour de vrai? La langoustine, merci la connexion, c'est clair. Salut Muriel, salut Stella, comment vous allez? Ah, et madame, alors ça y est, enfin, ça t'a fait du bien quand même? Tu revis un peu suite à l'opération? Bah t'as dit, allez, bye. T'es parti. Ouais, ça va bien Stella, merci. J'ai fait wack. Non, je croyais que tu t'en allais. C'est pas grave, hein, parce que je perdais l'après-midi. Ah, d'accord. Ouais, normal, quoi. Normal, normal. Qu'est-ce que je vais me faire à manger ce soir? Ah, j'ai acheté du petit poulet, là. En vrai, je pourrais grave me faire du poulet. Est-ce que j'ai de la crème? Je crois que j'ai pas de crème. Non, j'ai du poulet. Je me suis acheté du poulet. Je vais me faire du poulet, en vrai. Poulet, riz et petite sauce chasseur. Vas-y, je me fais ça. Putain, le repas de fou. Il y a Pollux. Poulet riz. Vous savez, il y a un plat que j'adore, que ma maman elle fait quand je rentre à la maison. C'est genre poule et riz. Cuit à la cocotte minute là. Un plaisir. C'est trop. C'est qu'est-ce pour créer des pétitions SVP, c'est pour un pote. Océane, arrête. Ça va pas ou quoi? Merci, Mello. Voilà, c'est ça. Attendez, je vous montre le clip. Merde. On a dupliqué une crevette, là. C'est un peu fort. Pardon? Midate, hein. Pardon? Avec Hugo, on a dupliqué la crevette. Mais what the fuck? Mon micro est saturé. Pourquoi personne m'a jamais dit que mon micro il était saturé comme ça? Vous avez tous été trop gentils en mode non, on va pas lui dire, on va pas lui faire de remarques et tout. Vous auriez dû, hein. Ça saturait, c'était pas agréable. Vous avez été gentils, hein. J'aurais pas eu cette patience, hein. Nous sommes quatre à la dupliquer. Oui, en même temps, j'ai un autre clip. C'est vous qui m'avez envoyé, je crois. Ce moment où, en gros, ils sont quatre à pêcher le même truc. Quatre. C'est énorme. Je crois que c'était vous. C'est ouf en vrai. Oh ma petite maison, j'avais oublié ce qu'on avait fait dedans. Allez, on va rentreposer ça. Débarras. Ça on entrepose, ça on entrepose. Et ça, on va en avoir besoin. Et tout le reste, on va le vendre, hein, écoutez. Grosse flemme de cuisiner. Non mais je compatis. Je compatis, je compatis. Merci Alice et merci Margot pour vos follow. J'espère que vous allez bien. Salut M aussi. Je sais pas quoi faire après avoir fini mon île. J'ai besoin d'aide. Est-ce que t'as commencé à te pencher peut-être sur du 100% litchi? Ça te tenterait pas de faire, de finir le jeu à 100%? Est-ce qu'on avait commandé des trucs? Oui, des piles de doc. Hop. Merci Kiwi pour le follow. Pourquoi pas? En vrai, franchement, ça pourrait t'occuper, hein. Si vous avez du mal un peu à trouver quoi faire, n'hésitez pas à vous lancer dans le 100%, hein. Ça vous occupe pendant un moment. Jusqu'à ce que vous en ayez marre et que vous décidiez à refaire... Enfin, à raser votre île, à refaire un peu de la déco et tout, hein. Ça peut être une solution. On m'a envoyé des cosmos jaunes. Ah ouais. Ok. Salut Laura, comment ça va? Oh, écris bien. J'espère que tu vas bien avancer. Bonne session écriture. Ce matin, je voulais venir, mais j'ai comaté. Mais t'inquiète, Nico, t'as bien fait de dormir, hein. T'as carrément bien fait.
C'est réparateur, un petit dodo là. Moi ce matin j'avais grave envie de... de dormir. Et je me suis dit non, vas-y. Debout ma belle. Je me suis levée mais j'avais du mal hein, ce matin. Je suis couchée tard hier. Ou le Noël, ouais j'avoue j'ai mal en vrai. Ah trop cool Nico. Je vous tiendrai au courant pour un truc. Mais... il est possible que j'ai fait une demande de mise en avant pour le 1er septembre. C'est-à-dire pour le tout premier épisode. De ça. De notre nouvelle aventure. J'attends. Mais il est possible que j'ai fait une demande de mise en avant Twitch. Ouais, chez Imo. J'ose dire... Mais je sais pas si ce sera prêt, mais j'ose espérer que j'aurai ma DA qui sera prête. Comme ça, ce serait un gros reveal et une grosse nouveauté. Ce serait Sly. Bon alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On devait faire cette petite zone. On va venir, on va commencer ça là. On va faire ça. On va essayer de meubler toute cette petite zone ici. Qu'est-ce que vous auriez mis là? En vrai, moi franchement, là j'aurais mis des buissons et des fleurs quoi, mais... On pourrait faire un petit effort et mettre un peu plus de choses, non? Ou sinon, on fait un double trottoir. Venez, on essaye. Je sais pas comment, mais... Des coprolites, vous faites chier. Bah, en gros, je serai en page d'accueil, Solène, sur Twitch. Genre, on serait 500, 800, tu vois. Je sais pas combien, mais... Une armée de canards, tu me saoules. Ouais, dans le carrousel, quoi. Ou peut-être 5000. Bon, après, j'ai demandé, mais ils nous ont proposé. Du coup, je me suis inscrite. J'ai demandé et il fallait qu'on vende un peu sa chaîne. Donc, j'ai dit ce que je comptais faire, etc. À tout moment, le projet leur plaît et voilà, quoi. Après, non, ça va. Franchement, Kida, les mises en avant, c'est pas parce qu'il y a genre 800 personnes qu'il y a 800 personnes sur le live, tu vois. C'est juste, t'es mis en avant. Les gens te voient. Vois ton nom, mais ils sont pas forcément sur ton live, tu vois. Dis-toi, on a fait un live où on était 4000. J'ai été mise en avant en 2022, je crois, ou 2021, je sais plus. On était 4000 sur le live, et pourtant, il y avait le même nombre de personnes que d'habitude, tu vois, qui parlaient, quoi. Donc, voilà. Ça allait, en vrai. C'est pas trop. 2022, ouais, c'est ça, hein, en V2V. Un assortiment de rochers. Ça pourrait, en vrai, j'avoue. J'avoue. Là, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est de décaler. Donc, en fait, de faire... Là, j'aurais grave fait bleu. Après, rose, jaune, vert, quoi. On peut décaler comme ça. À voir, parce que j'ai fait qu'une vraie mise en avant en page d'accueil. Donc, j'ai été vraiment... la première sur la page d'accueil, et j'ai fait d'autres mises en avance en carrousel. Ça ne m'a absolument rien apporté, mais je me dis, tu vois, pour les personnes qui, tout début septembre, juste avant la reprise des cours, etc., qui voudraient voir du Animal Crossing pour se détendre un peu, ou que sais-je, tu vois, ils pourraient peut-être tomber sur moi et se dire, bah vas-y, let's go, Animal Crossing, why not, reprendre et tout. On sait jamais, on verra bien. Mais c'est quoi ce clip-là, Alia? Ah oui, bah si, je crois que je vois ce que c'est. Pas le jour de la rentrée. C'est un dimanche. Le premier. C'est le 3. Le 2 ou 3, la rentrée. En plus, on commencerait un dimanche et tout. En fait, là, avec Harry, si vous voulez, avec Arvandor, on a grave envie de lancer des nouveaux types de contenu entre guillemets dans la communauté Animal Crossing, et que genre ce soit pas que les Américains ou les anglophones qui fassent ça, parce qu'en fait c'est vraiment des contenus que bah, y a que les anglophones qui font ça, hein, très souvent, et nous on se donne jamais d'objectifs comme ça, genre j'ai l'impression que personne en France ne fait ça, donc on s'est dit bah vas-y on teste, et puis au moins comme ça on voit ce que ça donne, et puis en espérant remotiver des gens, parce que faire une île en 30 jours ça veut dire que t'as un mois, t'as un début, t'as une fin. Et dire à quelqu'un t'as un début, t'as une fin, ça lui donne peut-être plus envie de rester et de suivre l'aventure, parce qu'il sait que ça va se finir, tu vois.
Oh non, Zabou. Ah putain, mais c'est ce clip là, ok, je vois. Voilà, c'est bien en vrai. Non, Miss Vava. Coucou, et oui, ça va, et toi? Au passage. What the fuck, la discussion sur TikTok? Pourquoi faire anonyme de Fortnite 11? Dans quel but? Je voulais quoi? Je voulais deux fleurs. Mais là, il n'y a pas ce que je veux. Mais ça marche, Néo, il n'y a pas de souci. Bon, Lark, merci beaucoup. T'es grave partagé sur TikTok. Comment ça, je suis grave partagé? Ça veut dire quoi? Et merci pour tous les likes sur TikTok, d'ailleurs. Merci beaucoup. Vous rigolez pas, hein? En mode, le live est partagé? Je vois pas, moi, ces statistiques-là. Slay. Tu slay grave. Mais toi, tu slay de fou. Oui, MDR. Il y a combien? Je vois pas, moi, ça. Bah oui, j'aime. Tu vas faire quoi à part faire? Je pense que je vais mettre des clôtures dessus. Le long pour encadrer. Et faire un trou et décorer cette plage. Je pense qu'on pourrait faire ça. Du slay, mais il faut quoi? Plus 23. Ah ouais, putain la vache. Je sais pas ce que ça rapporte les partages sur TikTok. Je pense que c'est juste des gens qui envoient le live à leurs potes en mode ah bah viens, ou viens te moquer de cette personne. C'est horrible. Je les vois plus les trucs là. Je pense que Cupcake Mina, je pense que tu slay. Après, normal. Ouais, c'est vrai, normal. T'as archi raison. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Qu'est-ce qu'on a par là-dedans? C'est quelle couleur? Ok. 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 On peut faire ça. Là, on mettrait rien. Donc là, ce serait... Non, on va continuer quand même à bien les mettre. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Il me fatigue, Dan. Ouais, ça va en vrai, Liam. Il est pas mal confort, c'est vrai. Des fois, ça me fait un peu mal derrière les oreilles avec les lunettes. Ce que ça me faisait pas avant. Mais je pense que ça dépend de comment je place mes lunettes. Et je pense qu'il faut que les mousses se ramollissent un peu. Enfin, qu'elles se fassent un peu plus, quoi. Allez, j'ai un peu tapoté sur TikTok. Ah, merci Lolo pour les tapotages. Merci pour tous vos likes. Purée, tu m'as monté à presque 5000. Là, Clocuro, je te vois toujours en violet. Là, ici, on pourrait faire la même. Donc, on va faire la même.
sert à quoi de tapoter? Bah, en fait, ça, tu likes, et ça fait des likes au live. Et plus t'as de likes, plus en fait des gens te voient dans leur For You page. Donc en gros, ça te soutient vachement en vrai. Hop. Parce que du coup, plus de gens te rencontrent en fait, enfin te découvrent en gros. Si je dis pas de conneries. Ça marche en vrai, mais. Je sais pas trouver ça foufou, mais. Ouais, ça met en avant un peu. J'avais testé chez Harry, j'avais. Bon, j'ai testé un truc, je suis pas censée. le dire, mais j'ai testé un auto-cliqueur de like et j'ai fait genre 10 000 likes sur son live et finalement ça l'a pas du tout mis en avant. Je sais pas en vrai comment c'est calculé. Enfin, il y avait des. Quand je faisais des vagues de likes, il y avait des. La vilaine, bah non, je soutiens mon ami. Il y avait des vagues de personnes, mais c'était genre 10-15, mais pas plus, tu vois. Genre, c'était pas. Donc, je pense que ça fonctionne, mais quand c'est vraiment beaucoup, enfin beaucoup, plusieurs personnes. Quand c'est plusieurs personnes et que ça commente aussi, tu vois. Sinon, en fait, il faut plusieurs critères, je pense, pour que ça marche vraiment bien. Pourquoi, Roulia? Qu'est-ce que t'as foutu? Merci Jojo, merci Emma pour vos follow. J'espère que vous allez bien. Non, non, Popo, pas encore. On n'a pas fini encore. On n'a pas encore fini. Qu'est-ce que t'as foutu, Rolo? J'ai acheté des chaussures trop petites. Sur Vinted. Je les ramène dans le magasin. Me dis pas qu'ils ont dit. Bah non, désolé. Celle-ci, on rembourse pas. Comment ça, celle-ci? Pardon? Sur votre ticket. Franchement, moi j'y retourne, je demande le manager. Et ils ont un petit panneau écrit. Oh non, les bâtards. Alors que c'est écrit sur le ticket. Bah, je suis désolée, c'est écrit sur le ticket de caisse. C'est censé être le ticket de caisse qui prime, non? Dans la loi. Légalement parlant. Non? Demain, j'appelle le service client, ça va chier. Bah ouais, tu m'étonnes. 95 balles, quoi. La vendeuse m'a dit que je pouvais les rembourser en plus. Mais j'ai pas de preuves. Putain, mais c'est vraiment des bâtards. Ils ont intérêt à rembourser, ouais. On va débarquer chez eux, sinon. On va brûler le magasin. La meuf est un peu dans l'abus, j'avoue. J'avoue, là, un petit peu... Oula, c'est pas ça. Un petit peu dans l'excès. Alors, foutre dans le fiac, mais t'as bien raison. C'est pas ça, en plus, là, je fais n'importe quoi. Maintenant, sur le jaune, c'est le rose. C'est celle-ci. Là j'en mets pas. Là j'en mets pas. Ah si, là j'en mets, merde. Oh, oui. Oh merde, il m'en manque une seule. Ta 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 ta. C'est courir. C'est vraiment des bâtards, hein. Ils s'abusent de fou, en vrai. Genre, courir, à quel moment les chaussures, elles sont pas remboursables, en fait. Abusez, eux. Abusez. Pousse-toi, Philibert. Pousse-toi, Philibert. Bon mercredi. Merci beaucoup. J'ai monté sur la caisse pour crier. Partez! Fuyez de ce magasin! Je t'imagine trop, ça tirait trop bien en plus. La folle de chez courir, tu sais. Non, c'est abusé en vrai, 95 euros. Je me suis rappelé que la vendeuse était pour rien, je me suis calmée, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis là. Mais quand même!
Ça y est, eux. Depuis quand t'achètes une paire de chaussures et c'est pas remboursable? Enfin, si je trouve ça... Enfin, c'est... Allô? T'achètes une paire de chaussures, ça a toujours été remboursable de te faire rembourser. T'as toujours eu 15 jours ou un mois en fonction des boutiques, quoi. Ouais, après, t'as l'option de les vendre sur Vinted en mode neuf, mais tu vas quand même perdre, quoi. Tu vas pas gagner dessus, quoi. Sauf si tu mets porté par la superbe et célèbre rouleau. Mais bon. N'oublie pas le superbe et célèbre, c'est hyper important. Abusé quand même. Abusé. Ils deviennent fous ou quoi, lui? Ok, on va faire ça comme ça. Ce ticket, c'est écrit noir sur blanc, donc je sais pas. Bref. Ouais, ça doit être une preuve légale, le ticket de caisse. Regarde-le bien. Merci pour tous vos likes sur TikTok. Merci beaucoup et bonjour à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Salut Annie! Ça va bien et toi? Bah écoute, on est en train de... d'avancer un petit peu par là-dedans. Alors, on a fait une entrée pour la petite plage ici. Et il va falloir qu'on voit ce qu'on met comme... comme sol. En vrai, j'aimerais bien quand même mettre comme on a fait sur les rochers, remettre notre motif de sol vert là. Je pense qu'on peut slay en vrai. En mode des morceaux de mousse quoi. Ah, je sais, j'avais même pas vu. Qu'est-ce que tu racontes au bot là? À bientôt, mon bébé. Je te laisse, bébé. T'es trop. Mais toi, t'es trop amoureux en fait. Mariage avec le bot, c'est quand? Il est trop amoureux du bot, wesh. Après, franchement, j'ai envie de vous dire. Normal. Elle est trop belle, elle est trop belle, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la neige intoxiquée. C'est vrai que c'est pas faux, ça. On va tester un truc. Je sais pas si ça va bien rendre, mais on peut tracer les chemins dans le sable et mettre ça en mode ça, c'est pas le sable. Enfin, en mode ça, c'est la route. Logique. Normal. Là, on met un coin... Normal, elle slay, mais bien sûr, Océane. Évidemment qu'elle slay. C'est pour ça, faut pas chercher. Ça sent le jus de carotte. La chance que t'as. La chance que t'as. Qui dit ça? Personne ne dit ça. En vrai, on pourrait faire comme ça. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que je veux faire. J'ai l'impression que c'est pas très compréhensible, mais t'inquiète. Bah, j'ai plus de quoi mettre pour les motifs, en vrai, c'est ça le problème. J'ai plus de place de motifs, malheureusement. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, sinon, en vrai, rouleau, ça avance, hein. On a fait la plage du haut là-haut, là, on s'attaque à celle-ci. Normalement, les plages, c'est un truc que je fais dans les dernières étapes. Donc, c'est qu'on avance bien. Pourquoi je les fasse maintenant? Achille, wesh, calme-toi. Il me fatigue. C'est trop, hein. C'est trop. On va essayer de faire... Ça y est, le bot. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu me trompes, je retiens. Mais non, ma chérie. Non, par contre, c'est trop ça. Tu es ma préférée. Pas de doute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, coquette, t'aimes pas les autres? Les autres viewers, tu les aimes pas. Tu leur chies à la gueule, c'est ce que t'es en train de dire.
L'écoutez pas, hein. L'écoutez pas. Elle est trop méchante. Elle est trop méchante. Elle est trop méchante. Vous inquiétez pas, moi je vous aime tous. Elle est trop vilaine. Franchement, le bot. Bref, on passera sur son comportement. Si, si, j'ai écouté, elle a dit. C'est honteux. Ah, excuse-moi. Ragondin ! Ça me fait plaisir de tomber sur toi ! T'as vu comme le ciel est beau quand il se couche ? Ça doit être le bonheur d'aller au lit, Prout. Ce personnage a été écrit par quelqu'un qui a 8 ans, quoi. C'est moi. Ça pourrait être cool, en vrai, avec l'Okuro, là, sur la plage. Mais je me dis, c'est vraiment le genre de truc que... J'aime pas du tout faire, ce genre de déco, par contre. Lox. Mariana, coucou, je t'ai même pas vu arriver, je crois. Oh, trop bien, Sam. Tu pars combien de temps? Tu pars une semaine? Ragonde, hein. Vous moquez pas d'elle. Enfin, de lui. Le pauvre. Est-ce que je peux faire... Non, ça. Non, je peux pas. Ok, donc on va laisser comme ça. Ah, mais regardez ce qu'on a aussi. On a ça. Ok, mon beau. Il veut trop être là, lui. Hein. 4 jours. Ah, c'est pas beaucoup, en vrai. Bon, après, tant que tu profites bien. Hop. Pourquoi les habitants, ils viennent toujours se faufiler là où t'as vraiment pas envie qu'ils viennent, quoi. C'est un peu relou. Là, ce qui m'embête, c'est qu'il faudrait que je mette des planches dans l'autre sens, mais que j'ai pas d'autres planches dans l'autre sens. Enfin, j'ai ça, quoi. Mais c'est des white planks. Et je peux même pas mettre en bas, si. Ah, si, je peux. Je peux, là? Non. Bois de l'eau, gouttelette. Ça fait bizarre, non? C'est mieux que je laisse juste les planches en bois du dessus. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Merde. Merci pour le à boire. Je veux pas dire, mais c'est moi sa préférée. En vrai, oui, pas les blanches, hein. On est d'accord. Et pourtant, elles passent bien avec. Ou sinon, on laisse juste du sable et on met juste des petites... Non, en fait, on laisse juste le sable au pire. Les invités, genre, c'est pas mon frère, du coup. Ah, ok, ouais. Oh, chiant. Fils de putain. Oui, j'avais vu passer ton message, mais j'ai pas. Je l'ai pas. Enfin, je l'ai lu dans ma tête. Enfin, même pas. J'ai vu ton pseudo. J'ai terminé ce que je disais et je l'ai laissé passer, my bad. C'est que tu m'aimes pas, c'est pas dramatique, juste un peu déçu. La pick me, arrête! T'es une menteuse et tout comme ça, toi. Elle est fada, elle est fada, elle est fada. Moi, je voulais dire tout net, elle est fada. Hein. Bref. Alors, comment on va se... démerder là-dedans? Comme ça, je pense... On va planter. Ne me dites pas que j'ai fait ce que je pense que j'ai fait. Il connaît pas Meredith Grey. Bah wesh Lolo, t'abuses. Ok, elles sont là. Trois petits points. Mais ils tapent trop leur conversation sur la plage là. Mais oui, non, mais laisse tomber. Abusez pas trop du bot, hein, s'il vous plaît. Ah, mais faut que j'enlève ça aussi. Ok. Il
Ici, en vrai, il faudrait que je mette un palmier, donc je pense qu'on va refaire. Toujours dans les pattes, les habitants, mais je vous jure, hein, c'est abusé. J'ai l'impression qu'ils font que ça, quoi. Même le bot, elle sait... Une doc super talentueuse et pleine de drama. Hashtag drama à skip. Même le bot, elle sait, je suis étonnée en vrai qu'elle sache. J'aurais pas dit. Ok. On pourrait mettre des petites flaques d'eau, mais je pense que ça ferait too much. Mettre des petites touches de fleurs blanches comme ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur cette plage? Est-ce que j'ai des trucs de plage en fait? Telle est la question. Je pense que je dois avoir quelques petits meubles encore qui traînent. Avec le bot SVP. Vous en abusez. Bande d'abuseurs. Ah, on met ça. Ou celle-là. On va essayer. Je me tâte à les repasser blancs en fait, ceux-là aussi. On a tout pris pour mettre tout sur le... Sur l'autre truc. On a un phare qu'on peut prendre en vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? En vrai, on peut se taper petite piscine. Petite piscine. Petite bouée. Bouée. Petite bouée. Petite planche de surf. Toujours toboggan. Alors, qu'est-ce qu'on se met en couleur de phare? Oh, le jaune, il fait trop, hein. Faut qu'on le mette d'un côté. Mais j'en ai pris deux, non? Il est où? Bah. J'ai pris qu'un seul phare? T'aurais dit le blanc et bleu, toi, Nico? Moi, j'aurais mis une couleur toute unie, en vrai. Non? Bah, je l'avais pas pris. Le jaune n'était pas dégueu. Bah, il est un peu trop fluo, je dirais, le jaune, tu vois. Bah alors, Roulo, qu'est-ce qui t'arrive? Le blanc, il passerait. T'es drôle.
Attendez, excusez-moi, je fais juste un truc qui me dégle. Je n'ai pas pour longtemps. Ok, c'est bon. Pardon. Pas contente, non pas contente parce que mon bot il reçoit des messages, c'est trop bizarre. Hein. Sauf qu'en fait les gens captent pas que c'est un bot et en fait ils se leak eux-mêmes. Enfin genre ils sont un peu cons. Un peu louche que j'ai reçu, j'ai ban. Bon bref, planche de surf. Chips Lolo, j'avoue. Ou chips et de fou. Bah c'est vrai Winnie, tant mieux hein. C'est le but, c'est le but. C'est le but, je pense que la pergola on va la dégager en fait. Ouais, on va mettre la piscine à la place. Oh putain, la flemme, rouleau. Je compatis de fou. Moi, je l'ai fait il y a quelques jours. Mais ça allait parce que quand je l'ai fait, en fait, enfin, j'ai plus de couette, là. Vu qu'il fait chaud et tout, j'ai enlevé la couette. Du coup, ça va. C'est moins chiant à faire, tu vois. C'est un peu moins relou. J'ai toujours ma couette. Ah ouais? Tu dors encore avec la couette? On va inverser les deux, peut-être, non? Même mettre lui. Je dors sans couette, mais pas sans couette. Je dors sans couette, mais pas sans couette. Je dors sans couette, mais pas sans couette. Désolée, je l'ai pas. Genre, je la mets sur mes pieds, mais je suis pas sans. Ah oui, je capte, ok. Je capte. J'ai du mal aussi à vraiment l'enlever au départ, et puis là, cette année, j'ai fait vas-y, fuck. Bye. Bye la couette. Je compatis ce sentiment d'avoir toujours besoin d'avoir un truc sur ses pieds, au cas où il y a le monstre du lit qui vient te croquer les doigts de pied, je capte. Je comprends très bien ce que vous voulez dire par là. Mais ça vient me draguer et tout quoi. Trop ma vida toi. Comment ça va ma vida? Merci pour ton 11e mois. Coucou, je pose ça là. T'as plus tes majuscules, ça me perturbe. Merci beaucoup ma Prats pour ton prime. J'espère que tu dresses bien pour impressionner aujourd'hui. C'est important, faut pas oublier. J'espère que t'as passé une bonne journée. En vrai on peut se mettre ça comme ça. Et je pense qu'en fait ici on pourrait planter un palmier. Salut Lali, comment ça va? Hop. Je me cache des bestioles. Je capte, je vois le délire. C'est vrai que la couette c'est un peu le truc de protection un peu. Je capte, je vois le truc, je vois le genre. Après on pourrait mettre... Ouais non c'est pas spawn hein. C'est pas plus... C'est... Enfin passer la... Le belvédère là. Non. Jamais Sam. En fait plus vous allez me demander moins ça va me... Enfin moins ça va me donner envie d'en faire. Je vous le dis. Pour les visites d'île.
J'ai un certain traumatisme avec les visites d'île, on va dire. Premier degré, c'est pas une blague. Je vais récupérer les coquillages en vrai. Les gens ont tellement été horribles avec ça que je... Dès qu'on m'en parle, en fait, ça me donne encore moins envie d'en faire. Alors que petit à petit, je me dis, ah, peut-être. Je me dis, peut-être. Et puis au final, je me dis, ah ouais, non. Peut-être, peut-être que non, en fait. C'est bizarre, là. Oh non, pas le feu. Laissez-le. Nico, il va être triste après que je l'enlève. Ça, on va pas les mettre là, en fait. Je pense que c'est pas... C'est trop grand à mettre ici. On va les ranger. On va pas pouvoir les placer ceux-là. Je pense qu'on regardera où on peut les glisser. Mais je sais pas si on pourra. C'est que t'as 1,5 d'espace avec la plage et la clôture. Alors attends, faut que je regarde ce que tu me dis. Je vais ranger le phare, Belvédère. Le tuyau, je vais le garder sur moi. Comment ça 1,5? J'ai pas 1,5? La journée comme un lundi, quoi. Un lundi, quoi. Un lundi. Entre la clôture, t'as 0,5 d'espace et le rebord de la plage. Là? Mais non. Si? On va essayer tout de suite. Avalo pour impressionner. Pour impressionner. Avalo pour impressionner, normal après, j'ai envie de te dire. Attendez, parce que là, du coup, moi, si Nico il me dit vrai, je suis tout bonnement outré. On va tester avec ça. Salut Léa, ça va et toi? Testons. Essaye de mettre une clôture ou quoi, ça va marcher. Ou oh, putain. Mais Nico, t'as grave raison, wesh. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Achille! Non, c'est faux. Roulia, une seule règle, Nico ne dit jamais vrai. Bref, vous croyez grave fort Nico alors qu'il dit des choses vraies. Ça m'offusque un peu, mais je vais rien dire. T'as le droit de t'offusquer, Nico. T'as le droit. Merci Nico pour cette astuce. T'es trop le best. Écoute pas les rageux Nico. Bah tu savais pas. Bah non. Genre là, si je veux mettre ça, ça passe. Bon. Ça, ça fait 1, ça. Ça fait pas 0,5. Lolo! L'enfoiré! Bon, ça passe pas, par contre. Par contre, ça, ça passe. Sachez que je n'ai jamais rien posé ici, en fait. C'est pour ça que je ne savais pas. On va regarder si ça rend bien. Mais là, ça passe pas du coup, ça. Non. Par contre, je pense qu'on peut les décaler, en fait. Genre les poser centrés comme ça. Peinte et reste. Ah. Comment ça je vais peindre mes restes? Ça veut dire quoi? Je comprenais pas. Mais j'ai capté. Oh non. Oh non, I hope I don't fall. Je suis keblo là, y a pas de keblo en fait. C'est au moment où tu poses l'objet, on n'avait pas dit s'éteint, bref. Oh non. Alors que t'étais le génie, Nico.
T'as même pas pu slay au moment où j'ai posé le truc, quoi. Mais je savais pas ça, moi, par contre. Je me sens comme un bébé qui vient d'apprendre un truc. Gougou gaga, j'apprends des choses. Je suis grave une gougou gaga. De Ren Matin, trop cool ça Rudix que, de... enfin, que t'aies acheté ça, c'est trop bien. Bon Ren, et merci d'être passé. Trop motivé. T'as grave raison. Là, en vrai, j'aimerais bien mettre des jardinières. Mais en fait, là, ça fait peut-être bizarre avec les... ça me plaît pas, en fait. J'aime pas. En fait, je pense que là, je sais pas quoi mettre. Vous auriez mis quoi en meuble comme ça qui passe? C'est bien de savoir que ça passe. Mais qu'est-ce que vous auriez mis? Parce que là, en vrai... lit. Lolo, tu t'es fail. Bah bravo hein. Rouleau, t'as intérêt à faire ton lit dans les prochaines minutes. C'est vrai ça. Laisse-moi réfléchir. Et après tu fais ton lit. Pourquoi Marvin tu triquites? Tu triquites pas la couleur, Marvin, en fait, c'est moi qui lui ai choisi. Nico, il est daltonien et on a dû trouver une clôture qui est... Une clôture. Une couleur qu'il voit bien, qu'il voit beau et que nous, on voit beau. Donc on a pris un petit vert comme ça. Ça lui va bien, wesh, elle est belle. Une clôture... Arrêtez! Ne vous moquez pas! Bande de moqueurs que vous êtes! Chips, vraiment chips. C'est... Mais c'est parce que c'est parce qu'il a écrit une clôture aussi. Non mais un grillage, du coup j'ai pensé à la clôture. Bref, me triquitez pas ou je vous banne en fait. On ne triquite pas ici. De triquiteurs. De fous à bout. Qu'est-ce qu'il veut l'autre? T'as pensé là? Arrête de penser en fait mon beau. Tu peux pas me ban. Mmh. Ah bon? Attention, à tout moment ça part. Mettre des façades western au bord des plages. En vrai, ça peut être stylé, mais faut que ce soit la zone. Enfin, faut que la zone elle aille dans le thème aussi. Enfin, faut que ça matche avec la zone, quoi. Là, je me verrais pas mettre ce genre de meubles, tu vois. Les clôtures, en vrai, là, why not les. Les grillages, là. Mais. Ça fait trop grand quoi. Je pense qu'on va même peut-être rien mettre. Je crois que c'est la pomme au fruit de base. Ça fait 4 ans donc je sais pas trop. Vas-y bon l'heure, qu'il n'y a pas de soucis Brat. L'heure que bien. Je pense qu'on va mettre des petites jardinières. Vraiment bof bof finalement. Vraiment bof bof. On va faire ça. On va enlever ce passage piéton. Il nous fait chier là. Il nous fait chier ce passage piéton. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir. En bas, donc on le dégage complètement. Le pauvre, bah en même temps c'est vrai, hein, je dis les mots qui blessent. Hein. Salut Aurore, tu rentres de la plage. Il y en a qui n'ont pas la même vie ici, hein, la chance. Comment ça va? Tu vas bien? T'as passé une bonne journée à la plage? Voyons donc. Et si là on continue, jardinière.
C'est quoi ton fucking problème à toi? T'arrêtes de courir. Mais regardez, il est fou. T'es complètement fou, toi. T'es vraiment fou. Ouais, casse-toi, ouais. Il était en panique de me voir. Il a vu une grosse beauté arriver comme ça. Il a fait... Ah! Puis il est parti. En même temps, je comprends. J'étais tellement belle. Salut Soso, merci pour le follow. Bah alors Ophélie. Bon, tant que t'as fait une petite sieste, confortable. Ah non, il peut pas rouler, j'ai pas de filet dans les mains. Il va pas m'attaquer. Je vais t'attaquer. Là, on pourrait faire autrement. Ici, on pourrait coller. Merde. Mais du coup, c'est bizarre si là on a un trou. Non. Si. Je don't like. Merci Lizzie pour le follow et bienvenue. C'est pas grave, on va faire autrement. On va juste faire ça comme ça. Et pour les entrées de plage, ici, il faut qu'on ait un truc ici. Mais là, pareil, il faut qu'on enlève ce passage piéton. On va pas se faire chier à l'enlever, pourquoi j'enlève ? Ça manque d'un rocher. Il y a un trou. Comment ça ? Pour exclamation l'orque pour savoir ce que c'est le l'orque. Je me suis pas vu partir. Ah bah ça. Je suis à 2 heures de la mer. Il y a des mouettes dans mon jardin. Bah... Normal, j'ai envie de te dire, rouleau. T'habites trop à Marseille, donc forcément... Je crée des rumeurs. Elle habite grave à Marseille, Roulia. Tiens, trop bizarre. Il y en a parmi vous qui habitent à Marseille? J'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne qui me parle de Marseille. Merde, c'est pas ça que je voulais prendre. On parle souvent de Lyon, de Paris, de Strasbourg, de Bordeaux. Je pourrais pas stacker, c'est Marseille bébé. C'est con. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de monde qui nous parle de Marseille en vrai. Ah ouais, j'ai un joue, c'est possible. Ça va mieux là, c'est revenu. À côté de Marseille, j'ai dans une ville qui s'appelle Lille. C'est pas trop loin. Je suis en train de me dire, mais attends, mais Nico, je sais où t'habites. T'habites pas là, tu sais. Je suis en train de réfléchir. Même Toulouse, on en parle pas. C'est vrai, Toulouse, on en parle jamais en vrai. Je suis à 2 heures de Marseille. Ouais, c'est loin en vrai quand même. Oui, c'est bon. Ok, bah parfait. Alors, merci, Jajou. Ouais, des fois, faut pas chercher. En fait, c'est mon casque. Je pense qu'il doit un petit peu bugger et ça fait un peu bugger le micro. Va savoir la corrélation entre les deux. Je ne sais pas, mais voilà. Ça fait bugger l'un, donc ça bug l'autre. Toulouse, c'est mal passé en France aussi. Ça va en vrai. Ça va, ça va. Trop bien, Léa. Ça slay. Ça slay. Faut dire les termes. Ça slay de fou. Mon lit. Allez, rouleau. Rouleau, c'est ce qu'on va faire. Regarde. Décompte. Chrono. Non, décompte. Tu as, à partir de maintenant, tu as 5 minutes. Pour faire ton lit. Dépêche-toi. Hop. Tu as 5 minutes pour faire ton lit. Et t'es chronométré devant tout le monde. Cours, cours. Cours, cours, oula, cours. Pitié, allez. Dépêche-toi, t'as 5 minutes. Il y a la couette, bah dépêche. C'est faisable en vrai. Ça va. Salut Laïa, comment ça va? J'ai lu, moi aussi j'ai lu, il y a la cousette au débat. Il y a la cousette, pitié. Est-ce que ça va passer là ou pas? Ah oui, ça passe pile poil la chance. Ça motive, ça motive.
Bon, on est pas mal là. Au moins, il y a un peu de jardinière. Ça meuble un petit peu. Et je vais regarder ce que je peux mettre en détail entre. Je vais vomir de stress. Arrête! Tu veux que j'ajoute 2 minutes? Pète un coup, rouleau. Je la sens. En fait, c'est un examen. Genre, t'as 5 minutes. T'as déjà perdu 1 minute là. Plus que 3 minutes. Qui a fait le compte coprolite coquette? C'est trop. Ça, c'est Lox. Lox, il a pris le temps alors qu'il est en déplacement de faire quoi? C'est pas lui, c'est pas lui. Allez, rouleau. Allez, rouleau. En vrai, c'est faisable en 5 minutes, mais faut se presser, quoi. Purée, en vrai. En vrai, faire le lit, ça met quoi? Je dirais entre 7 et 10 minutes en temps normal. Mais vu qu'on est des enfoirés, on lui met que 5. Les pires. On essaye de motiver, hein, vous savez. Vous savez ce qu'on peut mettre? On peut mettre les lance-bupules, en fait. T'inquiète, on va voir si elle y arrive. Ça va, il reste 3 minutes, en vrai, c'est cool. Ça va, 3 minutes. Dans un lit mezzanine. Oh, c'est chiant, ça. Super relou, non? Un lit à étage, là. On va regarder. Je sais pas, du coup, c'est trop grave. C'est pas grave. Bah ouais, bah la flemme, je comprends. Trop la flemme, en vrai. Hein. Machine à bulles. Tu peux y arriver. Ils sont tous avec toi, c'est beau. Hein. Ça se voit, ils t'aiment trop, le chat. En temps normal. Tu me diras. Qui n'aime pas rouleau? Qu'on te banne. Qui aime pas rouleau dans le chat quand vous banne? La meuf horrible. C'est bon, oh my god. Tu l'as fait en 3 minutes, meuf. T'as vu? Mais un peu moins, je pense. T'as dû faire en 2 minutes 30, en vrai. Je m'étais coincée dedans, j'étais en panique. J'imagine dans la couette, putain, merde. Putain, je vais crever. Bravo, rouleau. Franchement, on peut applaudir dans le chat. On peut applaudir, on peut applaudir. Je vais arrêter ce timer. Coincée dans la couette. Kounsé dans la couette, Lolo. Vous pouvez applaudir. C'était un... Voilà. J'ai pas le mot. Bah maintenant, on sait qu'on peut faire le lit en 3 minutes, les gars. Faudra qu'on se dise ça les prochaines fois qu'on fera notre lit. 3 minutes, rouleau, elle a fait en 3 minutes, on peut le faire en 3 minutes. T'étais kounsé, purée. Ma pauvre, t'étais grave kounsé. Un peu drôle. Un peu mimi, là, les petites lance-bulles, en vrai. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, finalement. Merci les oiseaux. Les oiseaux. C'est quoi ce surnom, les oiseaux? Les zinzins? Ou les oiseaux? Merci les oies. Ah, vous m'excuserez, c'est pas eu tout ce que je cherchais. Voilà. Je sais pas, eh ben écoutez. Au début j'avais lu les Ozio. Je me dis bon, ok, c'est un surnom de merde, mais les Ozio, ça se dit. Merci les Ozio. On n'a pas été voir vu qu'on avait planté les palmiers. On peut aller voir maintenant comment ça rend. Là faut vraiment qu'on fasse un truc pour cette rue, mais qu'est-ce qu'elle est vide. Oh my god, j'ai envie de me jeter quoi. Les oiseaux, c'est après. C'est... Ouais. Allez, je vais me faire cuire un œuf. Voilà. Et Lolo, il a mis le coupe zaïzaï. C'est quand même hilarant. C'est quand même un peu mieux avec les... Oh, c'est largement mieux. Et puis là, quand on passe, du coup, on voit un peu la déco de la plage. On voit les petits palmiers par là. Non, franchement, là, c'est cool. Ça, cette zone, elle est bien. J'aime bien. Ouais, ça lag un peu hein, sur l'île en même temps, là. On a commencé à pas mal mettre de trucs. Du coup, c'est pas trop étonnant d'un côté. C'est un peu chiant, mais... On a toute cette rue à meubler. Qu'est-ce qu'on va foutre dedans?
Je peux pas laisser ça comme ça. Franchement, deux bancs, en vrai, c'est plié, non? Bah, en zone, il me reste les plages, là, il me reste pas grand-chose, en vrai. Mais ça va être du détail, après, ça va être de perfectionner, etc. On a le temps, donc... Il reste pas grand-chose, quoi. Y a vraiment ça, la playa. Bah, normal, c'est un banger, en vrai. C'est un banger. Est-ce que j'ai des trucs, hein? T'as pensé à prolonger tes routes sur les plages? Comment tu ferais ça? Avec quoi tu remets le motif de route? Non. Alors, on a des bancs. Et je pense qu'on pourrait même... Et j'ai plus de... Est-ce que j'ai pas des... Bois de l'eau, goutte. Merci. Putain, j'ai un tracteur maintenant. Je savais pas. C'est quelle marque, mon tracteur? Le tracteur de Cohen. Bacané. C'est qui fait les comptes? Leader Price. Ah, c'est ça que je cherchais. Ah ouais, mais c'est un peu... Je l'ai que en rouge. On va pas prendre en rouge, tant pis. On pourrait placer les horloges, mais c'est un peu moche de la place. Je suis pas très sûre. Mes yeux non plus, là, ils sont plus sûrs. Ah, mais il y a ça, là, les feux piétons, fallait qu'on place. Oh, purée. Le track queen. Un mode track queen. Drôle. Ok, drôle. Drôle. Plutôt drôle. J'avoue. Tes yeux. Mes yeux me bug. Je vois flou en fait. Putain. T'as bu? J'ai bu? Non, j'ai pas bu. Hop. Et là, on met le rose plutôt. Oh là là, chier. Mais. Pitiax. Ok, bon là c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pris déjà? Les feux piétons. En V2V ici. C'est une lampe ballon ça. Y'a rien qui va, tout est en bordel. Pourquoi il fait nuit sur AC alors que c'est la même heure que des IRL? Bah parce qu'il fait nuit à sur C normalement. Dans le jeu. Ok. Ok, ok. Alors... Là. J'aurais tendance à mettre... horloge publique ici. Ouais. Poteau électrique par là. Ah. Ça n'était pas ça. Oh, la gueule du truc. Forsythia. On pourrait mettre là. Je vais mettre ça en haut plutôt. Ah, salut jambon lumineux, c'est pas grave.
Tu pourras regarder la rediff si jamais. Ok, mieux. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Bah rien d'autre, ok. C'est un peu mieux, mais là pareil, en fait il manque un truc. Bizarre de côté comme ça. J'aime pas trop trop. Je pense que je vais pas m'embêter, je vais remettre un poteau électrique, mais ici, en bas de la rue. Je pense même qu'on peut mettre le force ici à côté. Ok, ça passerait. Vous me faites une farce. Pousse d'un cran, non? Contre la barrière. Comment ça? Je peux pas pousser plus, là. Le poteau. Mais je peux pas le pousser plus. Je l'aurais fait sinon. C'est qui fait les comptes? C'est qui est drôle comme ça? En vrai... ah merde. Ok. On pourrait mettre des jardinières, non, ici? Ça va faire étouffer si je les mets comme ça, toute proche, non? De fou. Après, si je banne un compte, bah... Ça bannit tous les autres. Non, ça va pas, c'est moche. Au début, je voulais mettre la machine à bulles, mais en vrai... Des bulles en dessous. Ok. C'est Achille, il fait chier. T'es chiant, Achille. Arrête tes bêtises. Ouais, je pense qu'on pourra faire ça la prochaine fois. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même un moment et j'ai un peu faim là. Mais on a bien avancé, on a fait la plage de là-haut, on a fait celle en bas. Salut Victoria, t'arrives à la fin, je vais m'arrêter. On a bien avancé franchement. On a fait ça aussi là, c'est un peu mieux. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie, mais. Là, c'est mieux déjà ici. On a fait la plage ici. Celle du haut et tout. Bon bah voilà, je pense qu'on est bien. Allez, on s'arrête là. Les petits zigotos. Oh, j'ai pas fait de photos.